Bon après-midi à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être là avec vous cet après-midi pour parler de nos recherches, des travaux que nous réalisons au sein même de notre association, donc, qui est l'Institut français de recherche et d'expérimentation Spirit. Vous savez que le mouvement Spirit en France a été quelque chose qui a été extrêmement médiatisé au 19e siècle, à tel point qu'il y a eu un institut métapsychique international qui avait été créé à l'époque, créé par des spirites, et notamment le docteur Gelais, qui aujourd'hui est encore reconnu d'utilité publique, mais qui n'est plus du tout, comment je pourrais vous dire, entre les mains des spirites français. Aujourd'hui, l'institut fait partie de la parapsychologie française. Et nous avions voulu, à l'époque, quand on avait commencé à faire de l'expérimentation, à tout simplement redonner un petit peu, redorer le blason de l'expérimentation spirit. Alors, nous allons vous parler de transcommunication instrumentale. Vous savez que transcommunication est un phénomène médiumnique à l'origine. Le mot transcommunication, c'est tout simplement le fait reconnu d'un message qui peut arriver de l'au-delà à un médium. Pour différencier donc la communication normale, on va dire, entre guillemets, entre un médium et un esprit, on va parler de transcommunication instrumentale, c'est-à-dire où le médium va se servir d'appareils électroniques, la plupart du temps, pour justement venir synthétiser le message spirituel. Un médium, lui, il a un flash. Vous allez voir un médium, il va vous dire, tiens, je vois une image, je vois quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Eh bien, en transcommunication, vous allez pouvoir voir ce défunt-là à travers des images ou l'entendre à travers des sons. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de médium. Ça veut tout simplement dire que les entités spirituelles se servent des techniques modernes de communication pour se manifester. Vous savez, depuis tout le temps, les esprits ont singé les moyens de communication. À l'époque, par exemple, d'Idesville avec les Sœurs Fox, c'était le télégraphe. Vous savez, dans les grandes prairies du Far West, hein, et ben les gens communiquaient avec un petit peu comme du Morse, le télégraphe. Et bien, les esprits aussi se manifestaient, réussissaient à envoyer des messages par le télégraphe. Il y a eu Thomas Edison qui a inventé le gramophone. Thomas Edison, à son époque, a enregistré aussi des voix paranormales. Malheureusement, il y a peu de documents qui attestent du phénomène parce que c'est quelque chose qui est très ancien et qui n'a pas été répertorié. Oui, c'est parce qu'en fin de compte, il y a des petits décrochages avec le HF. Peut-être que là, on m'entend mieux. Et donc, la transcommunication, aujourd'hui, va nous permettre d'espérer recevoir des entités spirituelles aussi clairement que je vous vois, vous, aujourd'hui. Alors, la transcommunication, c'est quoi? En général, on parle de paranormal. Vous savez que le paranormal, aujourd'hui, est un mot qui gêne plus par le mot que par les situations. Parce que la science, aujourd'hui, s'aperçoit que la paranormalité, le paranormal, est quelque chose qui est non maîtrisé. Dans l'étude, par exemple, de toutes les corps de la science, la physiologie, la physique quantique, il y a toujours une part de paranormal, de métaphysique, dans toutes les sciences. Malheureusement, les grands nombres de scientifiques n'acceptent pas de se pencher sur le paranormal. C'est-à-dire que dans la science, il y a des dogmes, il y a des choses que l'on apprend et que l'on ne remet pas en cause, surtout dans les chaires, surtout dans les discours publics. Maintenant, les scientifiques, entre eux, ils abordent ces problèmes-là, mais la plupart du temps, on essaye de mettre tout ça à couvert, et toutes les expériences qui sont faites et qui démontrent qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, la plupart du temps, ont très mauvaise presse, en tout cas dans le monde scientifique. Alors, le paranormal, pour nous, dans les expériences que l'on peut faire, c'est ni plus ni moins que du normal. Vous savez, c'est le normal, le paranormal, c'est à peu près la même chose. À la seule différence, c'est qu'à travers ce mot, vous allez vous intéresser à des phénomènes qui nous poussent à croire en la spiritualité, à croire en autre chose. Mais votre nature même corporelle, votre corps, votre vie même est quelque chose de merveilleux. Vous savez, si vous vous intéressiez à la technique même de vos cellules, des échanges gazeux qui peuvent se produire dans votre poumon, dans vos poumons, ou dans les échanges de fluides qu'il peut y avoir avec le système lymphatique, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais pour nous, c'est normal. Mais peu de personnes aujourd'hui connaissent exactement le fonctionnement du cœur ou le fonctionnement de votre digestion. Ça fait partie du normal. Or, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes
d'interaction entre le cerveau et par exemple le ventre qui ne sont pas encore expliquées. On ne sait pas ce que c'est véritablement la pensée. On ne peut pas expliquer ce qu'est la conscience. Pourtant, c'est des choses dont vous vous servez tous les jours. Je viens de parler de matière. La matière, donc, c'est ce qui vous compose, c'est ce qui nous compose, et c'est ce qui compose les images que vous allez voir. Parce que quand les esprits se manifestent à nous, ils utilisent une matière. Le fait que je vous parle, aujourd'hui, vous m'entendez grâce à un son qui fait partie du monde matériel, qui est transporté par l'air, qui fait vibrer vos tympans, vous m'entendez. On parle donc d'une matière. Et les entités spirituelles ne sont pas à part de l'univers. Ce n'est pas quelque chose, les esprits, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est à part et qui serait immatériel dans le sens que l'on entend. D'immatérialité, ça n'existe pas. On parle, en fin de compte, d'une matière qu'on ne comprend pas encore bien, qu'on n'a pas découvert. Prenez par exemple l'air. L'air qui vous fait respirer, vous ne le voyez pas. Pourtant, l'air, quand il y a des tempêtes, ça peut pousser des bateaux. C'est une force extraordinaire, invisible. Eh bien, il y a, par exemple, la lumière aussi. La lumière est une matière, c'est à la fois une onde et à la fois une matière faite de particules. Ce sont des choses qui existent et pourtant qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'appréhende pas. Le monde spirituel fait partie de ces matières radiantes, des matières qu'on ne comprend pas bien mais qui existent. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les voir, qu'on ne peut pas les toucher, que ça n'existe pas. Et il y a des moyens, vous savez, de se rendre compte de l'existence du monde spirituel. La plupart du temps, j'imagine que vous avez tous été voir des médiums ou assisté à des communications avec des gens qui se disent être en relation avec le monde spirituel. On pourrait en douter. On pourrait dire, cet homme-là ou cette femme-là nous fait de l'animisme, c'est-à-dire qu'elle imagine être en contact. Mais quand on pousse la réflexion, quand on pousse l'expérimentation de plus en plus loin, on s'aperçoit qu'il y a des traits d'identification, des informations qui sont données, qui dépassent l'imagination et les connaissances même du médium. Donc on est en face d'un phénomène qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas expliqué, car on ne sait pas du tout comment sont véhiculées les informations. On ne sait pas comment le médium reçoit les images, et nous aussi, dans nos expérimentations, vous allez le voir, on ne sait pas vraiment, aujourd'hui encore, comment les esprits agissent sur nos machines pour montrer des visages. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, vous voyez une tête de cheval. Ouais, c'est un exemple d'une des images qu'on a reçues au mois de juin dernier, donc dans une expérimentation, et nous allons tout simplement vous expliquer comment nous obtenons ces images-là, et surtout comment nous sommes arrivés à construire une machine qui produit ce genre d'image. Est-ce que vous voyez la tête, le visage? Alors peut-être, malheureusement pour la vidéo ça va être pas simple, mais on peut peut-être essayer de baisser un petit peu la lumière. Oui, par exemple. C'est mieux de voir les images que de voir ma tête. Alors, là vous avez donc un visage. Vous en avez ici un deuxième. Ces images-là, figurez-vous, se produisent dans un nuage de brume. En fin de compte, c'est un nuage de brume qui est filmé et dans lequel, et grâce auquel, les entités spirituelles se manifestent. Vous savez que les esprits ont toujours eu besoin d'un support pour se manifester, que ce soit un support mental à travers les médiums, et nous avons découvert qu'ils pouvaient modeler une brume. Soit ils peuvent modeler des sons, ce qu'on appelle pour les transcommunicateurs des supports sonores, mais ils peuvent aussi modeler de la lumière, ils peuvent agir sur de la lumière, et sur toutes les ondes électromagnétiques. Alors là, je vais vous montrer exactement les circonstances dans lesquelles les images se produisent. Là, vous voyez, regardez, vous avez une brume qui est diffusée dans une cabine qui fait 3 mètres sur 2, dans laquelle est diffusé un nuage de brume éclairé par un rayon laser et filmé par deux caméras en situation de stéréoscopie. Et les images des caméras sont projetées par un vidéoprojecteur, ce qui vous donne l'image carrée. Dans ces circonstances, nous recevons des images qui proviennent de nulle part. Ces plans, cette machine, les plans de cette machine, nous ont été dictés par écriture automatique. Nous ne sommes pas des savants. Nous avons un niveau scolaire qui est très faible. Et pourtant, les entités spirituelles ont accepté, dans des dessins qui nous dépassent,
de venir nous visiter, nous donner des plans pour construire une machine. Pour un but qui est relativement louable, c'est l'évolution des consciences et l'évolution de tout simplement l'humanité. Parce que les entités spirituelles, eux, ont un but, c'est d'essayer de faire élever la matière, de faire s'élever la matière, et par la même occasion, nous-mêmes. Nous sommes tous des âmes incarnées, nous sommes tous des esprits. À partir de là, nous avons tous un avenir extraordinaire. Nous l'avons eu avant, nous l'aurons après. En attendant, nous sommes là à nous questionner. Donc le but de la transcommunication, c'est tout simplement l'éveil de la conscience et l'évolution de la matière. Allez, une petite visite guidée. Une petite vidéo. Là, on va pénétrer dans la cabine. Donc on rentre dans la cabine, elle est entièrement insonorisée, et il y a une chaise au milieu. La personne qui expérimente s'assoit devant la grande parabole qui fait 1,50 m de diamètre, avec des paraboles beaucoup plus petites aux quatre coins. Là, vous voyez le rayon laser. Là, c'est un éclairage qui aujourd'hui a évolué dans la configuration. Donc, on va ressortir de la cabine. Vous allez voir. Donc, la personne se tient dans celle-ci. On ferme la porte. Voilà. Ici, vous avez le brumisateur, l'appareil qui envoie de la brume. Vous avez à côté une console son qui enregistre les quatre micros. Vous avez ici la partie sonore, on y reviendra tout à l'heure, dans laquelle on essaye d'enregistrer des voix paranormales. Et tout de suite à côté, vous avez le pupitre vidéo avec lequel nous allons enregistrer les images. Les images où nous voyons tout simplement apparaître des choses qui ne sont pas aujourd'hui expliquées ou explicables. Bien entendu, des gens ont cru que nous captions des images résiduelles de la télévision. Mais rien dans ce que nous recevons ne correspond à des images télévisuelles. Vous savez, la télévision est fortement reconnaissable. Il y a souvent un numéro de téléphone qui passe par là, il y a souvent des gens qu'on reconnaît, même à travers les films, ça n'a rien à voir. Et d'autant plus que nous sommes en circuit fermé, nous n'avons aucune antenne qui pourrait capter ou la TNT ou les ondes UHF. Bien que les ondes UHF aujourd'hui n'existent pratiquement plus puisque nous sommes dans l'ère de la TNT. Alors, ici, on va vous montrer la partie audio et essayer de vous faire comprendre que nous sommes sur les traces de grands précurseurs en transcommunication. Vous savez, nous n'avons pas inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Hein, nous reprenons tout simplement ce que d'autres avant nous ont mis au point, et notamment un certain chercheur qui s'appelle Friedrich Jürgensen, qui était un cinéaste allemand, et qui a réussi à donner à la transcommunication audio une audience mondiale. Donc je vais passer la micro à mon collègue Bruno, qui va un petit peu vous expliquer, parce que c'est lui qui s'occupe principalement de l'évolution du pupitre audio. Alors, bonjour tout le monde. Pour expliquer donc en bref, donc la configuration actuelle, c'est vrai qu'elle a l'impression d'être assez complexe, mais en fait ce qu'on recherche, c'est de plutôt donc émettre des fréquences. Alors on récupère en fin de compte les fréquences qu'avaient nos pionniers justement, notamment les fréquences de Constantin Rodive, et ces fréquences-là, donc, on les émet directement donc dans la cabine, et au travers donc de cette émission, on les récupère, donc voilà le subwoofer hein, qui permet donc d'envoyer donc ces fréquences. Alors nous, on utilise surtout les basses fréquences. C'est notre orientation. Après, on peut utiliser différentes technologies hein, qui nous sont propres. Donc voici les différentes fréquences qu'utilisait Constantin Rodive. Et au travers de ces différentes fréquences, on les envoie dans la cabine. On les récupère donc au travers des micros qui sont dans la cabine. Et on les donc, récupère et on les mélange pour arriver donc, dans un PC. Et ce PC, en fin de compte, les enregistre. Alors, on fait des enregistrements généralement d'à peu près une dizaine de secondes qu'on relie derrière. Et bon, pour l'instant, c'est vrai que cette technologie-là, on l'a mis en place il y a très peu de temps. Hein. On était quand même les parents pauvres de tout ce qui était audio. Et pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir vraiment de résultats. Mais on tend à faire évoluer en fait cette configuration pour qu'à terme,
on puisse aussi l'orienter différemment. C'est-à-dire que notre but final, en fait, c'est de recevoir plutôt toutes les fréquences qui sont émises au travers de la cellule, celles qu'on émet nous-mêmes, parce que chacun de nous, notre propre corps humain, émet des fréquences. Et il y a des fréquences ambiantes aussi qui sont qui véhiculent. Et donc, au travers d'une antenne qu'on mettrait donc, dans la cabine, interne, au travers d'un scanner, on récupérerait ces fréquences-là pour pouvoir les renvoyer donc, dans le subwoofer. Et ça créerait en fait un circuit fermé qui nous permettrait après de recevoir des voix. Voilà. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le 23.3 qui est tout au début. Est-ce que vous le revoyez ici? Ça, c'est une image paranormale que nous avons reçue. On ne savait pas du tout ce que c'était. Pourquoi nous recevions 23.3? Nous avons donc demandé aux entités spirituelles pourquoi ce chiffre, et ils nous ont dit que c'était donc une fréquence en Hertz qui correspondait à la personne qui était à l'intérieur. Ça veut dire que, suivant les personnes qui vont rentrer dans la cabine, que vous avez vue, eh bien, il va falloir qu'on trouve la fréquence qui lui correspond pour recevoir les meilleures voix paranormales. Là, on vous fait part vraiment d'une technique et d'une recherche qui est sur le front de la recherche. C'est-à-dire que nous vous faisons partager exactement notre engouement. C'est-à-dire que pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi, grâce à ces fréquences, à recevoir un son. Nous sommes dans le début d'une relation qui va nous emmener vers quelque chose, à mon avis, qui sera assez extraordinaire, la 3 dimensions avec le son. C'est-à-dire que les entités spirituelles vont réussir à se montrer en 3 dimensions. Regardez maintenant, je vais vous montrer comment l'image du cheval a été obtenue. Parce que naturellement, vous êtes dans la cabine, on vous ferme à l'intérieur et on envoie la brume. Qu'est-ce qui se passe? On va donc enregistrer des clips qui font à peu près 6 secondes. À l'œil nu, vous n'allez rien voir parce que c'est trop rapide. Mais quand on décompose la vidéo et quand on la met au ralenti, regardez ce qui se passe. Alors, voici la capture vidéo et l'extraction des photos. Donc, c'est un clip qui n'a pas excédé 8 secondes. Il a été enregistré le 18 juin 2013. Ce n'était pas la peine du général de Gaulle, rassurez-vous. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Eh bien, vous avez tout simplement vu un panache de brume. On recommence. Attention. Une deuxième fois. Donc, nous allons maintenant extraire la photo de la séquence vidéo, image par image. Et voilà. Après, on sort l'image vidéo et elle n'est ni redessinée, ni recadrée. Elle est juste contrastée. C'est-à-dire que nous jouons sur les contrastes, plus ou moins. Alors, moi, ce qui est remarquable dans cette image du cheval, c'est que dans notre recherche, nous n'avons jamais été intéressé par la capture des animaux. Vous savez, les images sont encore trop aléatoires pour qu'on puisse asseoir une conviction. Donc, avant de vraiment comprendre ce qui arrive et avant d'essayer de recevoir tout et n'importe quoi, il faut quand même qu'on essaie de comprendre ce qui arrive. Parce que, vous avez vu, c'est un phénomène qui est incroyable. Parce qu'on met une brume, rendez-vous compte, il y a une brume qui est envoyée, qui est diffusée, et les entités spirituelles agissent dessus tellement rapidement qu'on ne le voit pas. Il faut le filmer à une fréquence de 25 images par seconde, relire image par image pour s'apercevoir de ce qui arrive. Mais nous, notre but, c'est que toutes les personnes qui vont rentrer dans la cabine puissent être devant l'apparition, mais sur 1 ou 2 secondes, et non pas sur 1 ou 2 images, ou deux images toutes les 25 secondes, vous voyez la différence? En vidéo, 1 seconde d'enregistrer,
le mouvement est décomposé sur 25 images par seconde. Là, nous, on voudrait avoir une manifestation visible sur 2 secondes ou 3 secondes, que vous puissiez le voir à l'œil nu. C'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, on va essayer de redescendre un petit peu sur Terre. Il y a des problèmes en transcommunication, qu'elles soient audio ou vidéo, et même dans la transcommunication médiumnique. C'est l'erreur d'interprétation. Il ne faut pas se croire à l'abri de l'erreur, et il ne faut pas tout prendre comme argent comptant. Il faut rester critique, il faut toujours faire preuve de raison. D'ailleurs, il y a un homme célèbre au 19e siècle, Allan Kardec, hein, qui a toujours dit qu'un bon spiritisme expérimental était un spiritisme qui s'appuyait sur la raison. Or, il faut essayer de ne pas s'enflammer et d'essayer d'aborder ces phénomènes entre guillemets de paranormal avec beaucoup, beaucoup de recul pour pas justement se laisser fourvoyer. Beaucoup de gens qui aujourd'hui critiquent la transcommunication pensent que nous avons affaire à des effets d'optique ou des interprétations. Alors, vous connaissez tous le test de Rochas. C'est tout simplement un test qui est utilisé par les psychiatres ou les psychanalystes pour essayer de décomposer un petit peu ce qui pourrait se passer dans notre esprit. Donc, ils ont des espèces de tâches qui sont sur des feuilles, et au fur et à mesure que le praticien vous montre les feuilles, ils vous disent « Qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que vous voyez quoi ? Vous voyez un papillon, un insecte, une feuille ?» Donc, selon ce que vous allez voir, selon ce que vous allez dire, le professeur va pouvoir déterminer de quelle névrose vous pouvez être atteint. D'accord ? C'est exactement comme quand un docteur vous demande de dessiner une maison, si vous y mettez un soleil, si vous y mettez des portes, des fenêtres, ça correspond en tout cas à la maison, à votre psychologie même. Donc on est dans l'interprétation. La petite pierre qui est en bas est une pierre qui a été trouvée, donc par terre, où on pourrait penser voir un visage. C'est le phénomène de la pareidolie. Vous savez, le cerveau a une fâcheuse tendance à essayer de reconnaître et de voir des choses connues en n'importe quoi, et même d'entendre. Ah, vous entendez quelque chose ? Ah, ça, c'est une voix. C'est pas une voix. C'est votre cerveau qui pense voir une voix. Ça ne veut pas dire que les voix paranormales n'existent pas. Ça veut tout simplement dire qu'il faut faire attention pour pas se fourvoyer. La pareidolie est un des obstacles les plus largement difficiles de la transcommunication instrumentale. Parce que au tout début, avant de rendre le mécanisme précis, nous avons affaire à des formes qui peuvent tout simplement ressembler à des visages. Est-ce que vous avez déjà vu des visages dans les nuages ? On voit des visages dans les nuages. C'est pas de la transcommunication. C'est votre cerveau qui voit ça. C'est vous qui vous imaginez voir des visages. Ça pourrait être la même chose en transcommunication. Comment faire la différence ? Nous, nous avons une chance, c'est que nous faisons de l'écriture automatique en même temps et que les entités spirituelles viennent nous donner des directives techniques pour améliorer le contenu. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, Ted Serios ? C'est un monsieur qui a été très médiatisé dans les années 60. Ted Serios est un Mexicain qui, lui, alors, avait pour le coup, était doué d'une médiumnité extraordinaire à effet physique. Alors pour les spirites qui sont très cardécistes, vous savez qu'on a classifié la médiumnité en deux catégories principales, les médiums à effet physique et les médiums à effet intellectuel. Les médiums à effet intellectuel, on y range tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, voyance, écriture automatique. Et les médiums à effet physique, tout ce qui est mouvement d'objets, apparition, tryptologie, la science des coups dans les murs, etc. Donc lui, on le rangeait dans la catégorie des médiums à effet physique. Et ce monsieur-là était capable d'impressionner, par le seul fait de sa pensée, des images sur Polaroid. C'est-à-dire qu'on lui donnait des images, vous voyez ici l'homme préhistorique qui est ici, et donc une image qu'il visionnait, qu'il mentalisait, il se mettait devant un appareil photo, et par le seul fait de sa pensée, voilà ce qui ressortait sur la photo. Donc, il créait, et là aussi c'est une image paranormale, il créait des images rien que par son souvenir.
C'est ce qu'on appelle l'effet PK, la psychokinèse. C'est-à-dire que l'homme est capable, quand il a vraiment besoin, par exemple d'entendre son père, sa mère, sa petite sœur, son petit frère, il est capable de créer un effet PK, il est capable de créer une voix, ou même de créer une image. Ça existe. Et quand on fait de la transcommunication, et quand on fait même de l'expérimentation dans le cadre du spiritisme, il faut savoir que nous pouvons créer ce genre de phénomène. Il y a eu des universitaires qui ont créé un esprit, c'est-à-dire qu'ils lui ont créé une vie, des étudiants. Ils ont dit, cet homme-là s'appellera, il est mort d'un cancer, c'est faux, il n'existait pas. Il s'appelait un tel, il n'existait pas. Il habitait à tel endroit, il n'existait pas. Il a eu tel métier. Et, et maintenant, on pense qu'il est mort. Ils ont fait donc des séances de spiritisme avec la table, avec le verre, et l'esprit de cet homme qui n'existait pas s'est manifesté. Pour les universitaires, il était question d'un égrégore, c'est-à-dire une projection de la pensée. Ça ne veut pas dire non plus que tous les esprits qui se manifestent sont des créations. Ça veut dire qu'il faut faire attention et qu'il ne faut surtout pas s'enflammer quand on commence à faire de la médiumnité parce qu'on peut vite déchanter. Vous savez, on a connu des gens qui ont payé un lourd tribut à la recherche médiumnique. Dans le meilleur des cas, ils finissent tout seuls, délaissés de leurs amis, de leur famille. Dans le pire des cas, c'est l'asile psychiatrique. Donc on en a connu. Il faut savoir aussi que dès qu'on touche à la médiumnité, on touche à la psychologie humaine et qu'on a affaire à des... On peut avoir affaire à des tares que nous pouvons avoir, latentes, qui peuvent se révéler dans ce genre d'expérimentation. Dans notre groupe, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues, même des schizophrènes, hein, qui sont venues, qui sont reparties, et on s'apercevait bien qu'on était en face non pas d'un phénomène médiumnique, mais d'un phénomène médical. On a même fait des expériences médiumniques avec le professeur Serge Tribollet, qui est responsable des hôpitaux psychiatriques de Paris, qui lui fait une très grande différence entre la schizophrénie et la médiumnité. Donc, pour revenir à notre effet PK, attention, on peut avoir affaire à des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes dits paranormaux dans le sens où l'on l'entend, mais d'un phénomène normal, explicable par la psychologie humaine et les problèmes liés à la psychologie. Alors, vous savez que chaque personne, vous tous ici présentes, si vous pouvez venir à Paris, c'est loin, hein, et venir dans la cabine, on capterait avec chacune des personnes des images différentes. Il y a par exemple une dame qui est là depuis peu, qui s'appelle Monique, qui, elle, a eu l'image de son mari. Elle l'a reconnue formellement. Il y a des personnes qui rentrent dans la cabine et qui ont des chiffres, des lettres. Des chiffres et des lettres, ce n'est pas l'émission d'Armand Jabot, rassurez-vous. C'est tout simplement des messages qu'on nous envoie et qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, encore une fois. Donc, vous voyez le siège qui est ici. La personne rentre dedans, on ferme et on fait une série d'expérimentations, d'enregistrements sur un laps de temps de 15 minutes. Alors, il ne faut pas être claustrophobe, je vous l'accorde. Il ne faut pas non plus avoir peur de l'humidité, parce qu'on balance quand même pendant 15-20 minutes de la brume, et ça reste de l'eau. Même si la brume est sèche, il y a un moment donné où le parterre est mouillé. Alors, c'est pas la peine de venir avec son maillot de bain, je vous rassure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que se prêter à cette expérience, c'est se prêter véritablement à quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore bien. Vous vous rendez compte? Une atmosphère à 90% très humide, et on envoie quand même de la lumière. Et il y a quand même des appareils électriques. Il manquerait plus qu'on électrocute les gens. Oh non. Rassurez-vous, ça s'est encore jamais arrivé. Donc, vous voyez, là, vous avez donc cette grande parabole qui fait 1,50 m de diamètre, avec la brume qui sort de la buse, qui est ici. Donc, dans cette brume, là, eh bien, se manifestent les images. Alors, pourquoi projeter de la brume? À quoi ça sert? Je vous rappelle que les transcommunicateurs, les premières transcommunications, ont été obtenues grâce à des postes de télévision. Il y avait même le couple allemand, ou plutôt luxembourgeois, les Harfischbach, qui, eux, recevaient des images d'entités spirituelles sur une télévision qui était débranchée. Ils photographiaient la télé, et en photographiant la télé, on voyait des images sur la télévision. Pourtant, la télévision, elle était débranchée. Ils ont même reçu des informations sur des scanners. Le scanner se mettait à scanner rien du tout et on ressortait des images
écrit. Est-ce que vous avez connu le médium Franek Kluski connu? Est-ce que vous connaissez de réputation le médium Franek Kluski? C'est un médium de Varsovie qui a vécu dans les années 30. À l'Institut Métapsychique International de Paris, donc qui était un institut d'obédience spirit, ils ont fait, le docteur Gelet et Charles Richet, des expériences avec un médium extraordinaire. Il était capable de produire des moulages de membres humains, des moulages et même des visages. Alors l'expérience était fortement intéressante et, pour le coup, incroyable. On prenait donc ce médium, qui est ici, le voici, Franek Kluski. Il a une drôle de tête, hein, il est en pleine concentration. On le mettait sur une chaise, on le fouillait, et dans la pièce, dans l'Institut Métapsychique, se tenaient le docteur Gelet et le professeur Charles Richet. Et ils fermaient la porte à clé. Donc ils étaient que tous les trois. Ils n'étaient pas chez le médium, ils étaient dans l'Institut. La pièce était éclairée par une lumière rouge. Sur la table, devant eux, était posée une bassine remplie d'eau chaude, sur laquelle était écoulée de la paraffine, de la bougie, qui était tenue liquide grâce à l'eau chaude. Le médium se concentrait. On y voyait très mal. On entendait des clapotis. Les gens s'approchaient, sortaient de l'eau, des mains comme ça, qui se mêlaient, qui s'entrecroisaient et qui se posaient sur la table. Aussitôt, les expérimentateurs voulaient le prendre et les gants de paraffine s'écrasaient sous leurs doigts tellement c'était fin. Quand ils ont ausculté l'intérieur donc de ces moulages, on y voyait les lignes de vie, des mouvements de vie même. C'était des mains d'adultes, mais des mains beaucoup plus petites. Ce n'étaient pas des mains d'enfants, mais ils avaient la taille de mains d'enfants. Ils ont reproduit l'expérience plusieurs fois. À chaque fois, des mains, des avant-bras, et même des visages. Ils ont cru à un moment donné qu'il y avait des compères, peut-être, mais ils seraient passés par où, le trou de la serrure? Donc, sans dire à personne, le docteur Gelet avait pris un tube de poudre, une espèce de poudre qui, avec un certain révélateur, se transformait en bleu. Il avait donc mis dans la paraffine cette teinture invisible. Sans en parler même à Charles Richet. Ils ont refait l'expérience. Les moulages, il a pris les moulages, il a pris donc cette paraffine, il a versé son révélateur, et on voyait donc dans la texture de la paraffine sa fameuse teinture. Donc il n'y avait pas supercherie. On n'avait pas changé par un tour de passe-passe la paraffine. C'était véritablement la paraffine de l'expérimentation. Vous vous rendez compte que les entités spirituelles, grâce à ce médium-là, étaient capables de produire des moulages en forme visible. Et à tel point, c'est que, au cours de ces expériences, les visages, il y avait même des visages qui se matérialisaient avec cette lumière rouge et qui regardaient les expérimentateurs de si près qu'ils en avaient même presque peur, avec des yeux effarés qui les regardaient pendant cette expérimentation. Donc on était en face d'une des expérimentations spirites les plus extraordinaires du XXe siècle, qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, ces moulages, il y en a une trace. Malheureusement, ces moulages sont dans des cartons, dans une cave, parce que les gens qui en ont aujourd'hui le bien, qui ont récolté de ces choses-là, eh bien, ils les montrent à personne. C'est absolument abominable, parce que la spiritualité est un patrimoine à nous tous, et qu'on doit essayer de le partager. Vous avez donc ici les moulages et à côté, vous avez une image reçue dans la cabine. Vous y voyez des mains entrelacées. Alors, ça nous a fait penser à quelque chose. Imaginez que ces images-là aient toutes les caractéristiques d'une image en trois dimensions. Mais malheureusement, vue en deux dimensions. Parce que vue par un procédé qui ne permet pas de reproduire la profondeur. Une autre main qui nous a été envoyée.
Imaginez maintenant que ces mains-là, on puisse, par un procédé technique, les rendre en 3D. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, on est dans la brume. Hein, avec Michel Morgan qui est des brumes. Non, je rigole. Donc on est en plein dans la brume, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui rigolent. Parce que ah, vous êtes dans le brouillard, mes pauvres amis. Oui, effectivement, on crée un brouillard. Mais il n'y a que ça hein, qui est dans le brouillard. Tout le reste, ça va bien. Donc, il n'y a pas de souci. Regardez maintenant, l'objectif, c'est la 3 dimensions. Imaginez, un petit peu comme dans Star Trek. Vous savez, là, quand le petit R2-D2 il arrive et puis qu'il projette la princesse, je ne sais plus quoi, sur la table, et on la voit en 3 dimensions. C'est un peu ce que les esprits nous ont dit qu'ils arriveraient à faire. Alors, pas, c'est pas qu'ils vont refaire un remake de Star Trek, hein, je vous rassure tout de suite, mais ils vont réussir, et ils voudraient bien réussir avec nous, si on en a le temps et la patience, créer une matérialisation en 3 dimensions. Imaginez-vous, vous êtes dans la cabine, et devant vous, vous avez ce panache de brume dans lequel se dessine une silhouette qui vous regarde. Un petit peu comme à la grande époque des ectoplasmes, des médiums qui étaient capables de produire un ectoplasme qui prenait l'apparence de la vie. Regardez comme c'est drôle. Alors ça, ce sont des exemples. Ce n'est pas du tout des images paranormales. C'est pour vous montrer pourquoi la brume. Regardez, une image qui est projetée sur de la brume. Tout ça, il n'y a pas d'écran. Ce sont des images qui sont projetées sur un filet, un écran de brume. Et donc la brume est un excellent transformateur, un excellent écran pour des images spatiales, c'est-à-dire des images qui ne sont pas projetées comme là, contre un mur. C'est une image donc en 3 dimensions, c'est-à-dire que si vous tourniez autour de la brume, eh ben vous verriez le visage, soit la personne vous suit du regard, ou soit vous pouvez voir l'autre côté. Je pense qu'il y a un autre exemple. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça ressemble à un visage. Hein, on est pas bien sûr. Vous savez, je vous ai dit que nous, on recevait une image toutes les 25 images par seconde, donc fraction de seconde. Mais si les entités spirituelles réussissaient à poursuivre leurs efforts sur plusieurs secondes, et bien regardez ce qui se passerait. Voilà. On verrait tout simplement un visage. Alors que quand on le met image par image, on n'y voit plus rien. Là, si on montre ça à des scientifiques, ils vont nous dire « mais il n'y a rien du tout ». Alors que le visage en lui-même réussit à se projeter devant nous sur la brume. Vous savez qu'on est à l'ère du 3D en ce moment et des imprimantes 3D. Vous savez que l'impression 3D va faire des ravages dans la technologie. On va même peut-être réussir un jour à créer des morceaux d'organes avec des cellules bien spéciales qu'on pourra envoyer à travers la planète. On pourra même, par exemple, vous avez besoin d'un appareil où il vous manque une pièce détachée à votre aspirateur. Vous allez sur moulinex.com, j'aurais dit une connerie. Il me manque cette pièce-là. Vous l'imprimez sur votre impression 3D, elle ressort en plastique en 3 dimensions. Vous la remettez dans votre aspirateur et votre aspirateur, il marche. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginez que cette main-là, on branche notre cabine avec tout simplement une impression 3D derrière. Et qu'à la suite, soit des visages ou soit des mains qu'on reçoit, on fait impression avec une impression 3D. On va peut-être recevoir exactement le faciès qu'avait la personne de son vivant. C'est-à-dire que tout simplement, la main, les mains, eh bien, on va peut-être imprimer par la suite des mains humaines qui proviennent donc d'une dimension qui nous échappe. C'est l'objectif du contact que l'on reçoit avec le monde spirituel, c'est de recréer d'une manière beaucoup plus synthétique, je vous l'accorde, mais les expériences qui ont pu être faites au XXe siècle avec Eusapia Palladino, Eva Carrère, qui étaient des grands médiums à ectoplasme, mais qui, excusez-moi du terme, se bousillaient la vie à faire ce genre d'expérience. Parce que des médiums à ectoplasme, il y en a un toutes les 300 ans, peut-être.
et des imprimantes 3D et des dispositifs de transcommunication modernes. Ça va pulluler. Il va y en avoir de plus en plus. Les entités spirituelles nous ont décrit que ça irait crescendo. Et que plus ça irait, peut-être même qu'un jour, ils pourront même pirater certains de nos appareils pour se manifester. Parce que l'avènement du 21e siècle, c'est l'avènement de la spiritualité. Il est temps. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on puisse comprendre que notre vie n'est pas faite uniquement que pour jouir. C'est bien de jouir des choses, je ne dis pas le contraire. Mais on a besoin de s'intéresser à une partie essentielle de notre existence qui est de la spiritualité. Voici donc, on va faire le tour un petit peu des images qui sont apparues dans la cabine. Donc, des images de visages. Regardez ça, c'est un point d'interrogation. Une personne qui arrive dans la cabine, elle s'assoit et automatiquement on voit apparaître ce point d'interrogation. Et on lui dit, et la personne sort de la cabine, on lui dit « Mais tu pensais à quoi ?»« Ben, je m'interrogeais. » Ah ben, effectivement, tu t'interrogeais. Regarde ce que tu as eu. Parce que sur la cabine, sur le mur de la cabine, il y a un écran. Et on place, en fin de compte, sur cet écran-là, les images qui sont captées. Et souvent, ça correspond à l'idée ou à l'instant X mental que la personne avait pendant l'expérimentation. Exactement. Regardez, là on dirait voir carrément presque un chiffre ou des lettres, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce sont des images qui sont relativement récentes. Hein. Ah, naturellement, on ne vous a pas tout montré parce qu'on en a des centaines. Les esprits ne sont pas avares d'expérience. À chaque fois qu'on allume nos appareils, il n'est pas rare qu'on ait des images, qu'on ait des signes. La fameuse 23.3 de tout à l'heure. Vous voyez quoi là? Un beau 3, non? Pourquoi un 3? On n'en sait rien. Un cœur. Donc les entités spirituelles nous envoient des signes. Regardez cette formidable main avec l'avant-bras. À tel point que quand on a reçu cette image-là, elle est beaucoup plus contrastée sur mon ordinateur. Alors le problème, c'est que vous savez, on a toujours un petit problème de contraste. Il faudrait régler à chaque fois les appareils. C'est un peu chiant. Hein. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit bien ici très bien l'avant-bras et la main. Donc la personne à l'intérieur, on lui a même dit, mais pendant l'expérimentation, est-ce que tu as levé le bras? Parce qu'on se pose des questions, la personne est toute seule. Elle pourrait se lever, se mettre devant les caméras. Donc, non, elle est restée assise et on a eu cette magnifique apparition de main. Là, le visage que vous avez eu tout à l'heure, encore une fois, un beau visage qui est apparu. Alors, il faut savoir que la brume, elle fait quoi? Le panache de brume, il doit faire 50 cm, même pas, 40 cm de circonférence. Et la cellule est haute comme ça, donc il tombe comme ça devant la personne. Vous êtes assis comme ça, face à la brume. Et ce visage-là est à peu près à taille réelle. Ce visage-là, c'est le mari de Monique, la petite dame que je vous ai dit, qui, elle, donc c'est une femme qui a vécu toute sa vie avec son mari. Ils étaient très, très amoureux. Et la vie fait qu'il y en a toujours un ou l'autre qui part avant. Pour les couples qui sont très anciens, c'est relativement difficile comme épreuve. Et la dame est rentrée à l'intérieur. On a reçu cette image. Elle est sortie. Elle a fait « Bah, c'est mon mari ». Elle l'a reconnue tout à fait. Là aussi, ce qui est intéressant dans ce visage-là, dans cette apparition, c'est les yeux. Et ce qui est important, c'est que quand on fait des zooms sur les photos, on s'aperçoit que c'est souvent les yeux qui sont le mieux définis, et pas tout l'ensemble de l'image. Alors, bien entendu, on a besoin d'aller de plus en plus dans la précision. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller jusqu'au bout pour être certain du phénomène. On pourrait très bien se dire, c'est peut-être une pareille de lit. Le problème de la pareille de lit, c'est qu'elle n'est pas évolutive. C'est-à-dire qu'une pareille de lit n'évolue pas dans la netteté. Soit c'est un effet d'optique, ça reste un effet d'optique. Mais quand on fait, par exemple, quand on photographie 7 fois le nuage de brume et qu'on a 7 images différentes, on dépasse les lois de la probabilité. Donc il y a autre chose qu'un phénomène de pur hasard, de constitution. Il y a donc quelque chose d'autre. Alors, cette image-là,
Oui. Elle est assez extraordinaire. On dirait même quelqu'un avec une barbe. Enfin, moi, je veux bien que ce soit un effet d'optique, mais c'est un très beau effet d'optique. Et j'imagine que les personnes qui sont loin le voient beaucoup mieux que quand on est près. Regardez aussi ces belles images. Eh bien, ça, figurez-vous, que ce sont des images qui ont été captées par des gens qui n'étaient pas dans notre atelier, mais qui étaient chez eux, devant leur ordinateur. Parce qu'effectivement, on essaie de faire participer les gens aux exercices de transcommunication à travers Internet. C'est-à-dire que, imaginez-vous, un mardi soir, vous êtes chez vous, il est 21h. 21h, vous connectez à notre site et vous allez nous voir, on a une webcam qui permet que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe dans l'atelier. Quand on lance l'expérimentation, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre webcam, que vous allez enregistrer aussi, image par image. Eh bien, c'est comme ça que ces images ont été reçues. Elles ont été reçues les deux par une dame, une femme qui s'appelle Nadia, non pas Nadia, Lila. Lila, qui elle a été une des internautes les plus, qui a excellé le mieux dans les enregistrements. Alors effectivement, il y a donc des différences selon les personnes qui font l'expérimentation depuis chez elles. C'est ça qui est bien. C'est que les esprits nous ont dit de temps et d'espace. Ça n'existe pas pour eux. Donc les esprits qui se manifestent dans l'atelier à Paris peuvent très bien en duplex et simultanément se manifester chez vous, sur votre ordinateur. Et c'est ça qui est important. Vous connaissez certainement les mouvements de prière. Vous savez, par exemple, à tel jour, à telle heure, tout le monde va se mettre à prier en même temps. On fait des égrégores de prière. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait faire si tout le monde, à un moment, se mettait à faire la transcommunication en même temps? On s'imagine bien que plus il va y avoir de monde qui vont s'intéresser à ces phénomènes, mieux seront les images. Parce que plus il y aura d'énergie qui vont être concentrées et qui vont nous permettre de faire cette manifestation. Alors, naturellement, c'est quoi le but de tout ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les esprits ont besoin de nous pour exister? Est-ce que nous avons besoin d'une preuve pour croire en l'existence des esprits? Peut-être que oui, peut-être que non, tout dépend des gens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la preuve, on l'aura tous un jour. C'est une question de temps. Nous sommes tous voués au tombeau, je vous le souhaite le plus tard possible. Mais en tout cas, on y va tous, aussi sûr que 2 et 2 font 4. À partir de là, rien ne sert de se presser. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas sûr. Bah, t'es pas sûr, c'est pas grave. Tu vas peut-être rester 40 ans et être pas sûr. En tout cas, je suis sûr que tu le sauras un jour. Donc, on n'essaye pas de faire la preuve. Mais le plus important, c'est l'interrogation que l'on peut susciter chez les gens. Parce qu'après tout, quand on se pose la question sur la survivance, on se dit, mais effectivement, s'il y a quelque chose après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va partir dans l'au-delà avec tous nos fatras, avec nos problèmes, avec nos malaises, avec notre corps qui nous fait mal et qui nous gêne? Ou est-ce que l'on va découvrir une autre dimension, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on comprend. Les esprits ne cessent de nous dire « Allez vers l'inédit. Essayez de capter quelque chose qui va vous faire, qui va vous élever, et non pas quelque chose qui soit ni plus ni moins qu'une doctrine redondante. » Parce qu'il est bon de s'appuyer sur les travaux de nos aïeuls, de ceux qui étaient là avant nous. Mais il est bon aussi d'essayer de produire et d'aller vers l'inédit. C'est-à-dire les choses qui restent à découvrir. On n'a pas tout découvert. Les spirites du 19e siècle n'ont pas tout découvert. Les esprits qui se sont manifestés pour la codification n'ont pas tout dit. Ils continuent aujourd'hui à se manifester. Qu'est-ce que vous croyez qu'aurait fait Allan Kardec s'il était encore en vie aujourd'hui? Il aurait fait tourner les tables ou il serait intéressé à la transcommunication? Il aurait fait des expériences comme ça parce que c'est dans l'air du temps. Il se serait servi de tous les outils possibles pour lui, à sa disposition, pour véritablement s'apercevoir si les entités spirituelles existent. Naturellement, on ne peut pas mettre ce genre de phénomène sous le boisseau. On ne peut pas non plus ne pas en faire part. Il faut aller jusqu'au bout de l'expérimentation
Car quand on reçoit ça, ce visage, si quelqu'un me dit que c'est un hasard de constitution ou que c'est un effet d'optique, on peut tout nier. On peut tout nier, même le voyage sur la Lune. On peut dire que c'était fait par les Américains dans un espèce d'hangar, comme ça a été dit, on peut tout nier. Naturellement, à l'inverse, on peut tout accepter, comme font les fanatiques. Le plus difficile entre nous, c'est de faire preuve de modération. C'est d'essayer d'intéresser les gens à cette recherche en s'amendant nous-mêmes. Car quand vous calquez votre vie sur justement les théories extraordinaires qui nous sont données par les esprits, eh bien, vous allez intéresser les gens qui vous entourent. Mais quelle est la force de cette personne? Comment fait-elle pour résister aux problèmes? Comment fait-elle pour être toujours de bonne humeur? C'est quoi son secret? Et quand vous allez lui dire, mais parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne meurt pas, et que j'en ai la preuve, les personnes vont se dire, ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? On va changer l'humanité par notre propre exemple. Parce que tous ces phénomènes nous amènent à considérer l'existence comme quelque chose de très évolutif, quelque chose qui nous tire vers le haut, et non pas uniquement fait pour nous faire souffrir. Bien sûr qu'on a des épreuves, mais il faut essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et que ces expériences-là, toutes les expériences qui traitent du paranormal, montrent l'homme et la femme. Parce que souvent, l'homme, on humanise avec eux d'un côté masculin, mais la femme et l'homme, quelque chose de merveilleux. Nous sommes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Le fait même que vous soyez là en vie, que vos cœurs battent dans vos poitrines, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une nature majestueuse. Il n'est pas donc impensable et insensé de s'apercevoir que les esprits, que notre esprit continue à exister au-delà de notre corps. D'ailleurs, on ne sait même pas c'est quoi le siège de la pensée. Peut-être notre esprit n'est même pas dans notre corps. Qui peut dire que notre conscience est là? Je suis, j'existe, et vous. Est-ce que vous êtes sûr que le fait de vous dire je suis, j'existe, c'est là que ça se passe? Pourquoi c'est pas dans le ventre? Comme pensaient les dans l'Antiquité, ils pensaient que le siège de l'esprit, c'était le ventre. Ça se trouve, même notre conscience, elle est en dehors de notre corps. Encore des images reçues par les internautes. Un couple. Vous vous rendez compte? Quand ces personnes à la vue chez elles, apparaître ça sur son ordinateur, je vous le souhaite. Hein. Il y a des tas de gens qui essayent, à peu près entre 20 et 25 personnes, les personnes de l'association qui sont là présentes pourraient vous le confirmer. Il y a beaucoup de gens qui essayent, et de beaucoup de pays, on a même eu des Canadiens qui sont venus essayer de faire la transcommunication avec nous. En même temps, l'atelier devient extraordinaire. Il n'est plus à Paris, l'atelier. Il est sur toute la France, et dans le monde. C'est quelque chose de magique. On vit une aventure extraordinaire. Si on est là aujourd'hui à partager avec vous, c'est parce que ça nous émeut à chaque fois et qu'on espère aller beaucoup plus loin. Et le jour où on aura encore mieux, on reviendra vous voir. Et on vous dira, regardez ce que les esprits nous ont dit. Regardez ce qu'ils ont réussi à nous montrer, à nous faire entendre. Exactement. Donc, bah écoutez... On a voulu ne pas être trop technique, on a essayé de vous intéresser à la transcommunication, et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire, parce que la transcommunication instrumentale stipule donc le maniement d'appareils électroniques qui peut très bien vous saouler. Hein, moi je vois ma pauvre mère qui a 82 ans, elle a déjà du mal avec sa télécommande, alors j'imagine... que quand je lui parle de transcommunication et d'essayer de capter les esprits avec la télé, enfin, tu m'emmerdes, je n'arrive même pas à capter la TF1, alors c'est pas pour capter les esprits. Il faut quand même, c'est vrai, avoir un certain toucher avec les appareils. Si la technique vous saoule, ça va être difficile de faire la transcommunication. À moins que vous ayez un petit magnétophone que vous chérissez avec retour rapide et puis que là vous voulez tenter, faites-le. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour entendre des voix. Vous pouvez même filmer avec le caméscope de papa ou de papy ou de grand-mère, vous filmez votre propre télévision, vous pourrez avoir quelque chose. Si les entités spirituelles sont disponibles et si vous avez la capacité de donner le change, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent montrer leur image. Ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de membres, ils n'ont plus de yeux, ils n'ont plus de bouche, ils n'ont plus de cerveau.
Ils n'ont plus rien de tout ça. Comment ils font pour nous voir? Comment ils font pour nous entendre? Ils utilisent nos sens. Donc si vous avez la possibilité de mettre vos sens à leur disposition, vous allez devant des choses merveilleuses qui peuvent vous arriver. Extraordinaires. Nous, on vit des choses extraordinaires. On a fait une expérience médiumnique jeudi dernier. Les gens étaient ravis. On a reçu des messages personnels qui ont été un vrai bonheur pour ces gens-là. À chaque fois pour nous, c'est quelque chose de magique. J'aimerais peut-être faire une pause. Voilà. Faire une pause et on reviendra après. Et je vous parlerai de quelques livres qui sont ici. Et je vous parlerai très vite de la manière dont on les a reçus. Parce que naturellement, tous ces appareils n'existaient pas s'il n'y avait pas eu d'écriture automatique. Voilà, merci beaucoup de votre attention. L'orchestre m'indique que c'est bon, on va pouvoir recommencer. On va pouvoir continuer. Alors, je voulais, avant de répondre à vos questions, vous expliquer quand même... Il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander ce qu'étaient ces livres-là. Ce sont des résultats d'expériences, cette fois-ci médiumniques. C'est-à-dire que nous ne faisons pas que de la transcommunication dans notre institut de recherche, nous faisons aussi des recherches sur la médiumnité. La médiumnité, qu'elle soit donc à travers la voyance, la clairaudience, les passes magnétiques, l'incorporation et notamment l'écriture automatique. Alors pour moi-même, moi j'ai fait de l'écriture automatique depuis très jeune, hein, depuis 1982, parce que j'ai été petit garçon, le centre de manifestations qui m'ont très perturbé et je n'ai trouvé l'équilibre dans ma vie qu'en faisant de l'écriture automatique. Donc avant même de faire de la transcommunication et avant même d'être dans l'ivresse, j'étais à Paris chez les spirites de l'époque. J'ai même connu comment il s'appelait, André Dumas, qui m'a beaucoup aidé. Donc ces messages là sont en fin de compte une suite d'écriture automatique qui, mis bout à bout, sont comme un roman. C'est à dire que pour Daniel, c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon. Donc l'esprit de ce petit garçon qui est mort étranglé par sa mère qui est devenue folle. En fin de compte, un beau jour, une dame devient perd la tête, rentre, voit ses deux fils et les tue. Donc elle en loupe un, il y en a un qui est mort. Et l'esprit de ce petit garçon vit tout un pèlerinage, donc un passage difficile. Il vit des moments très rocambolesques dans l'au-delà. En le suivant même, on a affaire à un guide qui nous emmène dans une autre terre, enfin un autre endroit d'existence, jusqu'au moment où cette entité spirituelle nous rencontre et vient nous raconter son histoire. Donc c'est un véritable témoignage spirituel. C'est une histoire dictée par un esprit, l'esprit de Daniel. À l'époque, on chronométrait les pages et donc l'entité spirituelle a mis 24 heures pour nous écrire son histoire. 24 heures, mais en faisant des pauses de semaine en semaine. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été en communication le plus long pendant peut-être une heure et demie. Donc je faisais 250 pages de psychographie sans m'arrêter. Mais il faut savoir que ces écritures automatiques ont été la source donc de notre expérimentation en transcommunication, puisque c'est par ce média-là que les entités spirituelles nous ont donné des plans pour construire une machine en nous disant « construisez ça et vous nous verrez ». C'est comme ça qu'on est ramené à transcommunication. Pour le deuxième livre, c'est l'histoire de Daniel, de Louis. Alors Louis, c'est un bourgeois du 19e siècle, très riche, qui a certainement habité à Paris, du côté de Palais-Royal, et qui nous raconte comment il a hanté sa propre maison en voulant faire mourir de peur les gens qui y habitent par vengeance. Parce qu'une fois mort, il s'est rendu compte que sa femme le trompait. Bon, c'est pas un scoop, bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Et puis mais malheureusement, il s'est fourvoyé dans une espèce de vision complètement négative de la survivance. Il pensait que c'était Dieu qui lui donnait la survie pour se venger. Donc, ce qui est drôle, c'est que... Donc il hante sa maison, il crée des manifestations tapageuses. Il y a même un moment où sa maison est réquisitionnée par l'armée allemande. Il est même, malgré lui, emmené dans un camp de concentration.
C'est une histoire complètement folle, jusqu'au jour où aussi il vient nous rencontrer. Et la première fois que je rencontre l'esprit de Louis, c'est au cimetière du Père-Lachaise. J'ai été interviewé par une télévision. Et je suis interviewé à côté du buste d'Alain Kardec. Et ce qui est drôle, c'est que la psychographie, des années après, me parle d'un moment donné qui voit un homme avec un catogan au milieu d'une tombe avec des gens qui parlaient autour de... Et j'ai tout de suite reconnu le moment où j'ai rencontré cette entité spirituelle que je ne connaissais pas. Donc on s'aperçoit, enfin Louis malheureusement s'aperçoit bien malgré lui qu'il est lui-même sujet au pire tourment. Et on se rend compte qu'il s'élève, mais dans la souffrance. C'est-à-dire qu'il croit faire souffrir les autres, mais en fin de compte c'est lui qui souffre énormément. Donc je voulais tout simplement vous expliquer parce que ce sont des ouvrages qui ne traitent pas de transcommunication, mais qui traitent d'autres parties de notre travail. Et il faut savoir que l'esprit Jean, par exemple le cahier de messages spirit, c'est un... Alors malheureusement, on ne l'a pas ici, je l'ai oublié, je m'en excuse. C'est un recueil de 40 messages sur plus de 400 qui ont été reçus par une entité spirituelle qui écrivait Jean et qui nous a donné des messages sur... la nourriture, sur les religions, sur l'espace-temps, sur les trous noirs. C'est incommensurable comme source d'information. D'ailleurs, on fait un livre, on met en ordre un livre qui s'intitulera « Ce que nous ont dit les esprits », qui reprend un petit peu tout ce travail considérable que l'on a eu avec le monde spirituel et la relation que l'on peut avoir et des messages qu'ils peuvent nous donner. Donc voilà, donc c'était juste une petite information. Maintenant, je réponds à vos questions s'il y en a par rapport à la transcommunication ou toute autre chose. Moi, je voulais vous demander pourquoi vous avez besoin d'une personne pourquoi vous avez besoin d'une personne dans la brume pour pouvoir filmer en fait les entités. Alors, est-ce que c'est possible de ne pas avoir personne dedans et avoir des messages ou des films ou des images? Alors, vous savez, c'est extrêmement important votre question. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement le même problème que peuvent avoir les scientifiques quand ils observent la matière. Personne ne sait comment est la matière quand on ne l'observe pas. Par exemple, quand un chercheur va avec un microscope électronique étudier l'infiniment petit, dès l'instant qu'il envoie de la lumière pour justement que son microscope marche, eh bien, il vient déranger la matière. On observe toujours une matière, pas dans son état normal. Or, qu'est-ce qui se passe quand on n'observe pas la matière? Ça, c'est une énigme scientifique. Après, il faut savoir autre chose par rapport à nous. Imaginez maintenant que cette cabine, on la mette au fin fond du Sahara et qu'on la mette en route. On ne va pas savoir si personne est autour, s'il y a quelque chose. Dès l'instant qu'une personne va être autour, on va pouvoir se demander, est-ce que ce n'est pas elle qui a influencé les images? Est-ce que vous connaissez... Oui, vous savez, dans la mécanique quantique, il y a une expérience qui est faite avec... une théorie d'expérience qui est faite avec un chat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expérience. En fin de compte, le principe est... Voilà. En fin de compte, les scientifiques pensent que l'univers réagit à l'observation que l'on en fait. Que si on ne regarde pas l'univers, donc la vie qui nous entoure, la vie se déroule autrement. Et eux, ils ont une théorie qui est relativement... qui ne plairait pas à Brigitte Bardot, non, je rigole. Donc c'est en fin de compte une boîte opaque, dans lequel on met un chat vivant. Dans cette boîte, il y a deux dispositifs, un qui le nourrit et un qui le tue. On met le chat vivant, on ferme la boîte. À partir du moment où vous avez fermé la boîte, vous pouvez vous dire que le chat existe et est mort en même temps, parce que vous ne savez pas. Il va falloir que vous ouvriez la boîte pour voir s'il est mort ou vivant, au bout d'un certain temps. Donc, automatiquement, c'est dans l'observation que vous allez induire un sens à la vie. Il y a des fois, par exemple, il y avait Bernard d'Espagna qui était un grand physicien de l'université de Paris-d'Orsay. Lui, il disait que la matière n'existait que parce qu'on la regardait. En dehors de quoi,
elle cesse d'être ce que l'on pense être. C'est-à-dire qu'il pensait même que quelquefois, le stylo peut, d'une certaine manière, avoir des transformations invisibles pendant qu'on ne le regarde pas. Mais là, on est dans la pure théorie. Maintenant, effectivement, pour essayer d'être beaucoup plus sensé et moins dans la théorie, c'est prévu. Nous allons faire des expériences sans personne. Là, pour l'instant, la cabine est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, n'existe que depuis le mois d'avril 2013. Au mois d'avril 2014, ça fera un an que la cabine est construite. Pour l'instant, il y a eu des gens à l'intérieur à chaque fois. À un moment donné, quand on va penser que ça sera suffisant, on va arrêter de mettre des gens à l'intérieur et on va expérimenter sans personne. Et on va mesurer la différence. Si on a moins d'images, on va conclure qu'il faut quelqu'un. Or, on aura conclu qu'il faut du monde, mais on ne saura pas si c'est la personne qui crée l'effet ou si c'est parce que la personne est dedans que les esprits viennent. Mais en tout cas, on aura déjà marqué un point en disant « Ah, les appareils de transcommunication ne fonctionnent que parce qu'il y a des gens à côté. » Au tout début de la transcommunication, les gens pensaient qu'il n'y avait plus besoin de médium. « Oh, les médiums sont sujets à interprétation. Les médiums se trompent, pas les machines. » C'était les propres paroles de Jorgensen, un grand transcommunicateur allemand que je vous ai présenté tout à l'heure. Lui disait « Grâce aux machines, on est sûr qu'il n'y a plus de tromperie. » Mais il avait tort. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que beaucoup de machines construites par les transcommunicateurs ne marchaient que parce qu'il y avait des gens à côté. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. Oui. J'aurais deux questions. La première, est-ce que vous ne vous situez pas aujourd'hui dans la position de Kardec à l'époque où il pensait devoir se rendre au salon funéraire pour parler aux défunts? Donc c'était vraiment les balbutiements. Et aujourd'hui, bon, vous en êtes à mettre quelqu'un dans la cabine pour, en pensant que ça peut influer la matière ou pas. Donc vous êtes peut-être au même stade. Et l'autre chose qui m'est venue, vous connaissez bien sûr les manifestations qu'on appelle les orbes. Est-ce qu'il n'y a pas similitude avec ce qui se passe dans la cabine ou ce qui peut se passer dans la nature avec cela? Tout à fait. Aussi, quand des gens, par exemple, photographient des orbes ou vont dans des endroits, ils photographient la nature et puis ils voient des choses apparaître. Mais il n'est pas rare dans la nature d'avoir dans l'air une sustentation de brume. Les manifestations fantomatiques dans les châteaux, bien souvent, se produisent dans des endroits très brumeux. C'est un excellent support. Après, naturellement, il y a dans les orbes des explications tout à fait rationnelles de, par exemple, des reflets de flash ou autres. Des ustentations de poussière, mais il y a des orbes qui ne peuvent pas s'expliquer de cette manière et qui sont véritablement des informations qui sont données au monde, qui nous sont données. Il y a des orbes que quand on grossit l'orbe, on voit très bien qu'il y a un visage. Un visage ou un véritable mandala, voilà. Quelque chose d'extrêmement précis qui n'est pas dû au hasard, à la poussière. Exactement. C'est un peu le même principe, tout à fait. Merci. Exactement. Oui, vous savez, c'est ce que je vous disais à quelques personnes, on était toutes ensemble, on avait l'intention, selon nos possibilités, de construire une cabine ou un dispositif de transcommunication au château de Fougeray. Ce château qui est réputé hanté en France, on y a été et on peut vous dire qu'il se passe des choses assez étonnantes quand même là-bas. Et donc on voulait monter un dispositif de cette manière. Il est évident que plus les atmosphères sont chargées, plus il y a de support. Vous savez, il est beaucoup plus facile de faire une transcommunication, par exemple audio, avec un bruit d'ambiance, un support sonore, que ce soit une voix étrangère, un bruit d'eau, un grincement, que de faire une transcommunication dans un état, par exemple, sous vide. Sous vide, il n'y a plus d'air possible. C'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on ne donne pas au monde spirituel la possibilité de se manifester grâce à un support. Il est difficile pour eux de créer l'effet de matière. De créer une matière qui n'existe pas. Par contre, ils peuvent moduler une matière qui existe déjà. Tout est énergie. Une question bête, je ne sais pas, je la pose quand même. Entre l'absence d'une personne à l'intérieur de la machine et puis la personne, est-ce qu'elle a de la place pour un animal?
Je la pose comme ça, mais je ne sais pas si c'est une bonne question. Hein. Alors, un chat, oui, ou un chien qui resterait devant la machine. Alors, le truc, c'est de trouver un chien stressage qui restera assis sur la chaise, avec tout ce qu'on balance comme lumière et de son, il ne faudrait pas qu'il ait peur. Ou alors un chien sourd. Non, mais il faudrait, non, je rigole. Il faudrait trouver un animal qui, ou là, par exemple, un animal dans une cage, qu'on poserait, un oiseau, mais qui ne siffle pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme animal qui ne fait pas de bruit? Hein? Un poisson rouge? Non, non, mais une tortue, voilà. C'est sûr que si on entend une tortue qui se met à crier, mais... Mais, effectivement, on va faire ces expériences, parce que, évidemment, voilà, bien sûr que c'est tentant, mais pour l'instant, c'est tellement... On est encore tellement dans le flou artistique, j'ai envie de dire, faut qu'on débroussaille avant. Une fois que... qu'on va réussir à faire un peu de place, on va tenter ces expériences avec, avec d'autres, d'autres choses. Combien de temps, depuis combien de temps vous êtes sur ces projets et, Alors, l'écriture automatique depuis 82 et la transcommunication depuis 94. Et ce sont les esprits qui vous ont dit de pousser plus loin? Voilà, systématiquement, encore aujourd'hui, hein. Ils nous donnent des informations, ils nous ont encore. C'est eux qui nous ont donc poussé à construire la cabine, à tout insonoriser. C'est eux qui nous ont parlé de diffracter le rayon laser avec une lentille de 6 mm. Ils nous donnent des codes. On est en face d'experts, j'ai envie de dire. Il y a même un jour un monsieur qui s'appelait Monsieur Acier, pas l'homme de fer, hein, monsieur, il s'appelait Monsieur Acier aussi. Hein. Et donc, c'est un vieux monsieur qui était scientifique dans les supraconducteurs. Il était parmi ceux qui ont. Travailler à la mise au point des premiers automates à Disneyland. Donc il était venu, très intéressé par la transcommunication, et lui, naturellement, en tant que scientifique, il a posé des questions. Donc il a posé des questions sur la technique, tout ça, à travers l'écriture automatique, pour savoir quels étaient ces êtres invisibles qui se manifestent à vous et qui vous donnent des messages. Et à un moment donné, il a cru pouvoir les prendre à défaut. Il a dit, ah, selon la réponse qu'ils viennent de donner, donc tout ça en direct, hein, parce que quand j'écris, je suis en état de conscience modifié, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais par contre, j'ai des gens autour de moi, notamment ma femme qui est dans la salle, Laurie, qui arrive à relire l'écriture, parce que l'écriture automatique est tellement saccadée qu'elle est, elle est un petit peu illisible, en tout cas, moi, j'arrive même pas à me relire. Elle arrive à relire, et donc, elle dit en direct aux personnes qui sont intéressées ce qui se passe. Donc, imaginez la scène, il y a l'homme de science qui lit, ah non, là, ils se sont trompés, la réponse est fausse par rapport à la physique, etc. Et là, les entités spirituelles ont renchéri en disant non, c'est pas faux pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là. Et là, l'homme de science a dit, ah, effectivement, c'est moi qui m'étais trompé. Ils sont bien les petits gars avec qui vous communiquez. Donc, c'est les entités elles-mêmes qui viennent nous donner des messages et qui nous induit à toujours aller plus loin dans la technicité. C'est eux qui nous ont parlé d'hologrammes. C'est pas nous. Nous, on ne voulait pas en entendre parler. Hein. Quand ils nous ont dit qu'un jour on utiliserait des rayons laser, nous on était dans, comme je vous dis, là, avec les sabres laser, Star Trek, qu'est-ce que c'est qu'un rayon laser? On va faire la guerre des mondes, c'est quoi? Et donc, il a fallu qu'on comprenne ce qu'est un laser et pouvoir maîtriser cet objet qui peut, dans certains cas, être dangereux. Mais c'est une lumière qui est tellement extraordinaire. C'est une lumière qui est douée de mémoire. C'est magique. Tout ce qu'on peut y mettre dedans, eh ben c'est transmis. Vous savez, il y a des transmissions par laser, hein, surtout dans l'audio. Est-ce que dans ces esprits qui vous aident, vous avez des esprits familiers? Alors, on a eu des esprits familiers. Alors, ceux qui nous aident techniquement, ce ne sont pas des familiers. Par contre, de temps en temps, les techniciens qui sont avec nous laissent passer des familiers. On a eu des tantes, des grands-pères, des grands-mères. On a même eu un monsieur qui s'appelle Raymond, qui participait à nos expériences, qui est décédé d'un cancer des poumons, et qui est venu, après son décès, continuer à nous rendre visite, et à nous expliquer, et à nous montrer sa survivance. On était bien heureux. Oui, je vais poser une autre question que j'ai posée à Laurie, mais en aparté, elle me servira plus à tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir peur de capter des mauvais esprits qui donnent des mauvaises images? Oui, bien sûr. On a eu des fois même des gens qui nous ont dit « mais rendez-vous compte, parce que là, on n'a pas toutes les images. »
Mais il y a des visages qui peuvent paraître obscurs, proches de la tête de mort, ou des yeux un peu méchants. Alors tout de suite, vous savez, hein, l'imagination collective, là, on est dans la superstition. Vous communiquez avec le diable, vous ne vous rendez pas compte, c'est Satan qui vient, qui montre son image pour mieux vous berner, pour mieux vous... Écoutez, ça va faire plus de 20 ans qu'on fait ça. Ça nous a appris la patience, ça nous a appris l'amour, ça nous a appris le partage. Alors si c'est Satan qui fait ce genre de choses, qui promulgue la bonté, le partage et la cordialité, bah, il se marche sur les pieds, le pauvre gars. Hein. Donc à un moment donné, faut reconnaître un arbre à ses fruits. Et nous, ça nous a fait du bien jusqu'à maintenant. Donc si c'est le diable qui nous fait du bien, bah, c'est pas le diable. Il y a peu de temps, on a assisté ici à une conférence qui nous apprenait que l'eau avait une mémoire. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas penser que le brouillard, c'est de l'eau aussi, et que ça ne résulterait pas d'un effet de mémoire qui se produit dans l'eau ? Vous savez, les messages qu'on a reçus nous ont parlé avant même de cette découverte. On a des messages qui datent de 83 qui nous parlent de la mémoire, non pas de l'eau uniquement, mais de la matière. Il semblerait que la matière qui nous constitue est douée de mémoire. Indélébile, éternel. Vous vous rendez compte que la matière qui nous unit, la matière visible, que ça soit la matière du gobelet, la matière de l'ordinateur ou la matière de vos corps, sont issus du Big Bang. Big Bang. Les atomes, les particules qui composent votre corps ont 14 milliards d'années. Ça veut dire que jamais on a vu un cadavre de particules. Jamais on a vu un cadavre d'atomes. Vous, quand vous allez mourir, quand je vais mourir, je vais prendre mon exemple, parce qu'à chaque fois que je dis aux gens vous allez mourir, les gens ils pensent pour en prendre pour argent comptant. Quand je vais mourir, mon corps va se décomposer. Il va se changer de forme. Mais mes atomes ne meurent pas. Jamais. C'est dans l'évolution, c'est pour ça. Ils sont réutilisés. Maintenant, imaginez que chaque particule de vos corps soit doué de mémoire comme une clé USB. Tout est mémorisé, ce que vous étiez, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé. On est dans un monde en interaction totale. C'est extraordinaire. Effectivement, il y a un effet de mémoire. Et cet effet de mémoire fait partie de l'expérimentation. Il fait même partie du paranormal. En fin de compte, ce qui est complètement troublant dans la vie que l'on mène, c'est que si demain, on arrivait à faire reset avec la mémoire des gens, avec la mémoire du monde. Imaginez par exemple qu'on arrive dans la mémoire de toutes les personnes sur Terre, on arrive à supprimer l'idée du stylo. Non, plus simple, l'idée de la cuillère. La cuillère, la petite cuillère. Eh bien si demain, plus personne sur Terre sait ce qu'est une petite cuillère, eh bien la petite cuillère va cesser d'exister. On n'y fera plus attention. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des excellentes émissions sur Arte qui montrent justement la façon dont on peut ne pas voir les choses qui nous dépassent. Ils ont fait des expériences assez intéressantes dans un petit village au fin fond de l'Amazonie où ils ont photographié toute la tribu. Le grand-père, la grand-mère, le petit garçon, la petite fille, tout le monde. Ils ont donc photographié. Alors, les gens ne sont pas bêtes, ils savent très bien qu'on les prend en photo. Donc, ils rigolent, large sourire. Et puis le soir, ils réunissent toute la famille, ils branchent un vidéoprojecteur, ils mettent les photos numériques sur l'appareil, et ils balancent les photos. Bah, tout le monde rigole, c'est merveilleux. Oh, on voit le même sourire du papy. Donc, ils sont très heureux. Mais, entre-temps, ils placent, entre les diapositives des personnes donc, du village, ils placent des photos de circuits imprimés. Des photos de composants électroniques, très complexes. Mais sans rien dire à personne. Donc, il passe, la photo arrive, pas de réaction. Il passe à la deuxième, oh, exclamation. La photo arrive, des circuits imprimés, pas de réaction. Etc. Et à la fin, ils vont demander aux gens, qu'est-ce que vous avez vu ? Tous racontent ce qu'ils ont vu, mais personne du village n'a vu les circuits imprimés. Personne. Ils savent pas, ils n'ont pas vu. Leur cerveau ne comprend pas ce que c'est. Impossible de l'exprimer. Alors les scientifiques ont répété l'expérience plusieurs fois, et ils en sont arrivés à cette conclusion. Nous sommes, nous, dans la même catégorie. Nous ne sommes pas plus évolués que ces gens-là. Nous avons une autre éducation. Mais imaginez maintenant qu'il y a des choses autour de nous, dans le ciel,
qui sont tellement dehors de ce qu'on peut comprendre, notre cerveau ne les voit même pas. Un chien ou une fourmi, il suffirait qu'il y ait une fourmi sur la table là, qui passe sur mon ordinateur. Elle passe sur mon ordinateur, mais elle ne sait pas qu'elle passe sur un ordinateur. Pour elle, c'est rien. Mais nous, avec notre intelligence, ça se trouve, il y a des choses autour de nous qu'on ne voit même pas. Ça se trouve, d'un arbre, on n'en voit qu'une partie. Il y a peut-être une autre partie de la nature qu'on ne voit pas. On ne peut même pas l'imaginer. C'est pas parce qu'on ne peut pas toucher les choses que ce n'est pas une matière qui existe. Comme je vous ai dit, la lumière, c'est une chose qui est physique. Elle est mesurable. La lumière est composée de photons. Ce sont des particules extraordinaires d'ailleurs, qui réagissent à l'observation. Mais on les voit, on ne peut pas les quantifier, les toucher. Pourtant, il y a des milliards de photons qui viennent nous bombarder, là, des milliards, plus de 300 km à la seconde. On est dans un monde merveilleux, merveilleux. Dans ce même ordre d'idée, il y a des Américains, même les Français, qui ont fait une expérience où ils ont un groupe comme nous, on nous passe des photos d'images magnifiques, femmes enceintes, nature, beau ciel bleu, et dedans, il y a une image atroce qui arrive. Mais personne ne le sait. Et les gens ont des électrodes qui analysent les réactions du cerveau, et une fraction de seconde avant, le cerveau a déjà réagi, s'est déjà mis en... Voilà, je voulais dire... Ouais. Et puis en rapport aussi avec le fait que vous dites que la mémoire est tout, il y a un livre que je voudrais vous conseiller, c'est Le lien quantique. Alors je ne peux pas vous le résumer, mais il y a une mémoire aussi, mais on est tous en lien aussi. Bien sûr. Tous nos atomes ici. Mais vous rendez compte, si on arrivait à faire une reset, mais la paternité, la filiation, d'un seul coup on ne sait plus qu'on a des enfants, on ne sait plus qui on ne sait plus qu'on a une femme, on ne sait plus que. Mais d'un seul coup on se retrouve comme. On serait complètement, complètement perdu. Notre humanité, nos sociétés, est basée sur la mémorisation. Oui, il y a bien sûr des entités spirituelles. Soit ils apparaissent dans la brume et il n'y a pas de message, on peut croire que c'est un effet de mémoire. Oui. C'est pas réel. Soit ils apparaissent dans la brume et. Les images qu'on a reçues, qu'on vous a montrées, ont tous été donc confirmées par écriture automatique. C'est-à-dire que ce sont vraiment... Alors, ils appellent ça, eux, des maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps des entités spirituelles qui veulent se faire reconnaître, mais c'est des entités spirituelles qui veulent nous faire progresser et qui sont des véritables figurants. Imaginez, hein, de l'autre côté, au suivant. Au suivant, donc ils se prêtent à l'expérience. Et de temps en temps, il y a papy et mamie qui viennent pour se montrer à ceux qui sont là. Oui, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez cherché et compris comment les entités interviennent, à quel endroit elles interviennent de tout votre appareillage pour modifier, parce que c'est ce qui se passe, le faisceau laser est modifié, oui. Puisqu'il arrive à créer une image par rapport à quelque chose qui est du désordre, oui. Elle donne un ordre. Il y a un ordre qui est créé à un moment. À quel endroit est-ce que vous pensez que l'entité agit ? Alors, on pense aujourd'hui que, l'action physique est faite au centre, au foyer de la parabole. En fin de compte, la grande parabole, elle fait converger donc, sur un centre hypothétique X. Donc, qui est le foyer de la parabole. À cet endroit-là est le siège, un petit peu plus en retrait, le siège de l'expérimentateur. Donc, le centre de la manifestation se trouve entre l'expérimentateur et la parabole, en plein milieu. Et vous pensez que c'est à cet endroit que l'entité manipule le faisceau lumineux ? Oui, parce que c'est dans la brume. En fin de compte, on s'est même aperçu que le son qu'on envoyait agissait sur la brume. Les infrasons viennent agir sur la brume. D'accord. Parce qu'en TCI audio, moi je me suis posé la question à quel endroit. J'avais fait l'hypothèse que c'était au niveau du courant modulé qui sort du micro. C'est-à-dire la radio en onde courte fonctionne, le micro enregistre, il crée un petit courant modulé qui va être envoyé vers l'ampli de l'ordinateur ou du magnétophone. Oui, oui. Et j'ai pensé que c'était à l'endroit du courant modulé qui est l'endroit, je dirais, de moindre énergie. Parce que ça leur demande, je pense, de l'énergie. Les entités sont capables de prendre cette table et de la déplacer.
Et je pense qu'ils ne le font pas très souvent parce que c'est difficile pour eux. Ah, puis ça demande énormément d'énergie. Voilà, et je pense que pour ces phénomènes-là, surtout quand on veut que ça se répète et que ça se passe souvent, ils utilisent le lieu de moindre énergie. Tout à fait. Et donc pour vous, vous pensez que c'est au niveau du sang? Oui, parce que tout est, en fin de compte, c'est là où la soupe, en fin de compte, lumineuse, est la plus riche. C'est là où la moindre chose va se voir. C'est à cet endroit-là. Puisque le rayon laser va sur la parabole. Il va sur la brume. Il éclaire la brume. La brume. Oui, il éclaire le faisceau de brume. Sur à peu près 20 cm. Vous avez parlé de, après la mort, la matière se transforme. Je voulais vous demander, les gens qui se font incinérer par le feu est destructrice, qu'est-ce que vous en pensez de l'incinération? Voilà. Alors, entre ce que moi, donc, émotionnellement, je peux en penser et ce qui peut se passer pour l'esprit qui va se faire incinérer, c'est deux choses. Mon avis ne peut pas être pris comme un exemple, ça reste mon avis. Maintenant, étant donné que nos atomes font partie intégrante de notre esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre notre esprit et, par exemple, notre corps et le soleil et les infinies d'étoiles qui est autour, ou le centre de la galaxie, on est une propre galaxie en fin de compte. Alors maintenant, le feu ne détruit pas, il décompose. Il vient transformer. Maintenant, si l'entité spirituelle qui veut se faire incinérer est très matérialiste, c'est-à-dire qu'il veut, il a joui que des choses de la vie, et puis il ne s'est pas donné un temps de réflexion pour sa propre âme, il peut en souffrir. C'est comme il y a certains esprits qui souffrent de la décomposition, ou qui se retrouvent mangés par les crabes, et puis qui sentent quelque chose qui se passe. Mais c'est subjectif. Quelqu'un qui est très spirituel et qui veut se faire brûler, il n'y a pas de souci. Il sera même déjà très loin de tout ça même, et il aura même la possibilité de ne pas ressentir. Il pourrait, s'il voulait, ressentir les agréments du feu. Quelqu'un qui est très spirituel, il va peut-être ressentir par l'effet de la volonté la décomposition par le feu. C'est comme quelqu'un qui est douillet ou non douillet. Il va sentir qu'on lui pique, qu'on lui fait une prise de sang ou qu'on lui ouvre, on lui fait une incision. Mais on n'est pas tous égaux à la douleur. Et à partir de là, on peut avoir spirituellement cette possibilité de se dégager des affres de la matière, en tout cas des choses qui nous font souffrir. Mais il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est mieux de se faire enterrer ou c'est mieux de se faire brûler. Et pourquoi pas se faire cryogéniser ou même empailler? Oh non, peut-être pas. Mais... Moi, j'aimerais bien et avec des yeux en verre, vous savez. Oui. Agit sur la brume, et c'est dans quel sens? Il l'épaississe ou... En fin de compte, quand on envoie des infrasons dans de l'eau et qu'on filme l'eau qui est perturbée par les infrasons à la même cadence, par exemple, imaginez qu'on envoie du 25 Hz dans de l'eau, près d'une source d'eau, et qu'on filme à 25 images par seconde, eh bien vous allez décomposer l'oscillation des infrasons et l'eau sur la vidéo va prendre la forme de l'oscillation. Sur notre site, il y a un exemple, donc justement, de réaction des infrasons sur le son. Il y a même des scientifiques qui ont mis sur des plaques de fer, ils ont branché des micros pour induire une vibration sonore à une plaque d'acier, et ils ont mis du sable. Et au fur et à mesure qu'ils tournaient le potentiomètre sur l'énergie donc induite dans la plaque, eh bien, il y a des dessins qui sont apparus, comme des crop circles. En fin de compte, le sable suit une direction selon les ondes sonores. Et il semblerait que pour l'eau, ça soit la même chose. Donc, quand on envoie des infrasons dans un milieu aqueux, il se passe une réaction qui peut servir à la transcommunication. Ça intensifie la brume en ce moment. Ça la fait bouger. Ça la fait. Moi, ça se voit pas à l'œil nu, mais ça la fait bouger. J'aurais
J'aurais une question en revenant sur la cabine. Comment pouvez-vous être certain que c'est une action sur le rayon laser plutôt qu'une action sur la brume qui est éclairée par le rayon laser? Alors, pour être franc, monsieur, on n'est pas certain. Ok. Pour être, on suit des pistes, mais on n'a pas de certitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme on est dans l'expérimentation, on n'a pas de certitude. Si demain, on peut très bien s'apercevoir qu'on s'est trompé. Mais à l'heure actuelle, à l'heure X, on s'aperçoit que c'est un tout. Mais que c'est l'addition du laser et de la brume qui permettent ces images-là. Mais dans quelle proportion? Pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je voudrais juste vous poser une question par rapport à ce qu'on appelle les apports par les esprits. La matérialisation d'un objet, comme il existe une rose qui est à Tours dans une cloche de verre qui a été complètement matérialisée par les esprits. Oui, je la connais cette rose. Elle est sous un cadre. Oui, je la connais. Elle est à rue du docteur Fournier à Tours. Voilà. Alors donc, effectivement, les apports... et sont déjà extrêmement rares. Vous avez plus de chances de vous faire écraser par une voiture en sortant d'ici que d'avoir un apport dans votre vie spirit. Je vous le souhaite, hein, pas de vous faire écraser, hein, mais d'avoir un apport. Je pense que ce qu'on reçoit en transcommunication fait partie de la famille des apports. Parce que quand demain, on va réussir à matérialiser en trois dimensions, ça sera un apport. Avoir une personne susceptible de produire un effet physique d'apport, grâce à la technicité, on va pouvoir imaginer qu'on reçoit une fleur, on l'imprime, elle ressort et c'est une impression qui vient de nulle part. Maintenant, les apports tels que on les a connus au 19e siècle, c'est une matérialisation de l'ectoplasme d'une personne qui produit de l'énergie, qui est modelée par l'entité spirituelle. Mais vous savez, Raymond Réan faisait des apports. Un très grand parapsychologue qui est mort aujourd'hui. Il y a des médiums qui arrivent à produire comme du miel. Ou des odeurs. Divaldo Pereira Franco, qui est un grand médium brésilien, avec qui on a fait plusieurs expérimentations. Eh bien, lui, il arrive à produire des effets, des odeurs de rose et d'éther. C'est des apports. C'est une transformation virtuelle, j'ai envie de dire, non permanente la plupart du temps, c'est rare les apports qui restent permanents, d'une transformation de choses qui existent autour de nous à l'état latent, notamment beaucoup de lumière. Oui, c'est une proposition que je voudrais vous faire, qui m'est venue en écoutant les interventions précédentes. Je reviens à la cabine. Oui. Il y a deux choses qui me paraissent importantes, c'est le nuage de brume et le faisceau laser. Le faisceau laser, en physique quantique, c'est l'ordre absolu, alors que le nuage de brume, c'est le désordre, c'est le chaos absolu. Donc il y a un rapport qui est très clair là. Il y a comme un esprit, moi je ne sais pas comment dire, hein, oui. Je suis plutôt physicien, mais un rapport entre l'ordre et le désordre absolu, et qui vient se mettre en forme. Et j'ajoute que j'ai vu en Autriche un jour un phénomène qui ressemble à votre brume dans la cabine. J'étais au-dessus d'un col dans les Alpes et il y avait un nuage de brouillard dans le fond derrière moi. Et le soleil se levait et on me voyait géant en image dans le brouillard. Oh, ça c'est super. Ça, par contre, si je levais le bras gauche, ça levait le bras gauche. Avec moi. La couleur ou juste l'ombre C'était coloré, mais par les rayons orange du soleil devant. Ouais, donc c'était vos trompes qui étaient projetées sur la brume. Oui, ça faisait 10 mètres de haut. Et c'est un peu le phénomène que vous décrivez dans la cabine, ça. Mais en plus petit dans la cabine, évidemment. Ah. Et je rapproche aussi d'une autre chose. Lorsque on voit, enfin, il paraît voir quelque chose dans un écran de télévision, et il y a bien, qu'il soit éteint, qu'il soit allumé, un nuage aléatoire d'électrons qui persiste même s'il est éteint. Donc, le nuage de brume, le nuage d'électrons, et sur une bande magnétique, il y a des petites molécules d'oxyde de fer qui sont aléatoirement disposées. C'est trois fois la même chose, c'est toujours pareil, et on dirait que l'esprit, je dis comme ça, hein, moi, je suis encore dans le doute là-dessus, enfin disons, il y a un phénomène qui agit toujours dans les mêmes trois conditions.
Écoutez, monsieur, il faut venir absolument nous voir. Parce que nous, on aime bien les physiciens comme vous, qui doutiez, mais qui ont l'esprit très clair. Parce que c'est clair ce que vous nous avez dit. L'idée n'est pas exclusivement de moi. Elle m'est venue parce qu'il y a eu des interventions. Elle est de Costa de Beauregard, qui est un physicien. Mais franchement, vous savez, nous, dernièrement, là, on a parlé avec un géophysicien et un archéologue qui sont venus nous voir et ils veulent revenir participer à nos expériences. Plus on est de fous, on va dire, plus on rigole. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on frotte notre cervelle les unes contre les autres pour créer la limaille de l'évolution. Voilà, je passe la parole. Moi, je voudrais juste dire, ce dont monsieur parle là, en montagne, c'est un phénomène connu des alpinistes. Ah, et bien moi, j'y vais bientôt en montagne, j'espère. C'est un phénomène rare, mais connu des alpinistes. Sinon, on va revenir au phénomène des apports. Ils ont simplement relaté une histoire qui est arrivée à mon épouse. Donc, on a perdu notre fille. Et environ un mois après, un jour, elle avait fait le ménage et elle n'avait pas le moral et elle pensait très fort à notre fille et elle voulait quelque chose. Et elle revient devant la porte de chambre de notre fille et qu'est-ce qu'elle voit ? Une petite feuille en tissu qui était posée là, droit, perpendiculaire. C'est intrigué, elle s'est dit, mais d'où ça vient ? Elle l'a ramassée, elle l'a posée sur le bureau. Et puis après, elle a fait le ménage dans la salle de bain à côté. Mais elle n'avait pas bien compris. Et dans la salle de bain à côté, d'un seul coup, elle a entendu un sifflement. Et à ras de son oreille est passée une deuxième feuille qui est venue buter contre la fenêtre. Et qui a tapé et qui s'est posée devant elle. Et là, elle a compris. Parce qu'après, elle a pris cette feuille en tissu, elle l'a montrée. Et cette feuille, vous ne pouvez pas la lancer. Et si vous la lancez, immédiatement, elle tombe. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce qu'elle est en tissu très léger. Et après, elle s'est demandé... Mais d'où vient cette feuille ? Et on s'est posé 1000 questions sur d'où venaient ces feuilles. On a fait une TCI, donc, puisqu'on fait de la TCI, et dans une TCI, on a entendu... la feuille, elle l'avait fait passer à travers le mur, et un an plus tard, donc je continue l'histoire, un an plus tard, en rangeant les draps dans le couloir, des draps qu'elle n'avait pas touchés depuis 20 ans, et elle voulait faire le ménage, vous savez, après une histoire pareille, Bon. Et qu'est-ce qu'elle trouve sous le dernier drap, sous la dernière pile ? 6 feuilles, les mêmes. Alors, elle s'est dit, mais ça alors ? Et l'histoire n'est pas terminée parce que, encore un petit peu plus tard, notre belle-fille qui était enceinte, elle range les affaires dans son armoire, et d'un seul coup, on entend qu'il pousse des cris de joie en quelque sorte, et elle avait, dans un carton qu'elle n'avait pas touché depuis 4 ou 5 ans, elle trouve une petite boîte en plastique avec des feuilles, toujours les mêmes, sauf qu'elles étaient bleues, celles-là, au lieu d'être oranges. Alors, nous, on s'est dit, mais c'est un apport de Noémie. Et l'histoire s'est terminée de la façon suivante. Notre fils aîné Florian, un jour, on lui raconte ça, il connaissait l'histoire des feuilles en détail, et quand il revient, parce qu'il habite au Brésil, il revient et on lui montre les feuilles. Il dit, mais ces feuilles, mais c'est moi qui les ai achetées, c'était à Paris, c'était pour décorer un stand, elles sont dans cette caisse en bois, là, tout au fond, sous les affaires. Voilà ce qu'on peut raconter. Ah, mais c'est des histoires formidables. Raymond Réan, lui, il avait aussi pareil des dématérialisations, rematérialisations. Notamment, un jour, il se couche le soir et en posant son pantalon avec sa ceinture, en posant, il entend un truc qui tombe par terre. Donc, il veut pour ramasser et il s'aperçoit que c'est la boucle de son pantalon qui était tombée. Mais le problème, c'est que rien n'était décousu. Et quand il a voulu ramasser la boucle, elle était très chaude. Donc, il était très doué, hein, cet homme-là. Mais il a eu des phénomènes assez intéressants d'abord de matérialisation, dématérialisation. Je vais passer la parole à mon collègue très vite. Non, mais je vais juste au toilette. Parce que j'ai une envie pressante, il faut que j'aille faire pipi. Par rapport justement puisqu'on dit que les molécules se renouvellent tout le temps, parce que ce serait toujours les mêmes qu'on ramènerait, c'est un rapport avec la réincarnation. Oui, parce que ça peut avoir un rapport aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que comme les molécules sont omniprésentes partout, elles se transforment, oui. Complètement. Il faut savoir que les physiciens le disent aujourd'hui, hein, notre corps humain, il change complètement environ tous les 6 ou 7 ans.
D'où vient la première cellule? Pardon? D'où vient la première cellule? D'où vient la première cellule? Bah c'est, mais voilà, il faut bien comprendre que le... Il ne faut pas aller chercher trop loin non plus l'existence de notre existence à nous. Hein. Il y a, voilà, l'existence de la vie, à un moment donné, il faut la vivre, mais sans pour autant chercher là où on ne peut pas trouver notre réponse. Est-ce que c'est une seule cellule ou est-ce que ce sont plusieurs cellules? Ce sont plusieurs hein, cellules. Hein. Aujourd'hui, c'est ce que l'on pense, mais demain, on pensera peut-être différemment. En fait, aujourd'hui, la physique nous donne des informations que l'on prend en compte, mais qui seront différentes encore demain et encore demain, parce que... Il y a des découvertes concernant. Voilà, dès qu'on trouve des réponses, on aura encore des questions. Et ce qui est important, c'est justement faire des questionnements, atteindre des réponses, sans pour autant considérer que c'est la vérité. Quoi. Justement... Derrière, il y aura toujours des questions qui nous donneront des réponses, qui nous donneront des questions. Tout se transforme. Tout se transforme, voilà. Tout est omniprésent et tout se transforme. Dans l'application. Dernière question, le corps humain, c'est le manteau? Oui, c'est le manteau. C'est comme une... Tout à fait. Moi, je le représente différemment. C'est comme si on était sur un fleuve et puis qu'on était sur une barque. Voilà, donc la barque, elle se promène et... On va dans une direction et tout en outre. L'organisme et puis derrière, voilà. La barque, elle reste là, puis on est ailleurs. Vous êtes combien de personnes dans votre association? On n'est pas très nombreux. En termes de membres, on est une quinzaine à peu près, donc des membres adhérents. Mais sinon, bon, il faut compter avec des internautes qui nous suivent aussi maintenant de plus en plus. Et là, on commence à devenir donc assez nombreux. Il y a aujourd'hui à peu près 1500 personnes qui nous suivent. Et justement... technologiquement, on commence à avoir certaines difficultés pour recevoir tout le monde, notamment le mardi. Et puis là, on est en train de réfléchir justement à pourquoi pas retranscrire la psychographie qu'on effectue sur notamment les thèmes philosophiques au travers d'Internet aussi. Mais là, il faudrait qu'on s'engage un peu plus financièrement pour pouvoir y arriver. Quoi. C'est-à-dire... Vous travaillez avec d'autres établissements en dehors de Paris, c'est-à-dire Lyon, Marseille, ailleurs. Aujourd'hui, pas vraiment. Bon, il y a toute une histoire qu'on ne peut pas raconter ici qui fait que, en fin de compte, on a vécu toute une période un petit peu difficile. Et aujourd'hui, justement, on la revit différemment au travers du fait qu'on ait un site qui est complètement différent, avec une page Facebook qui nous a permis de nous ouvrir considérablement et d'arriver à faire des conférences comme aujourd'hui. Quoi. Et qui, j'espère, on en fera de plus en plus pour... arriver à partager au maximum de personnes nos expériences et puis que d'autres aussi associations partagent aussi bien leur expérience et puis qu'on puisse... Est-ce que vous avez des aides scientifiques dans votre association, des physiciens De passage, malheureusement. On n'en a pas beaucoup qui restent réellement et qui nous suivent et qui ont vraiment cette passion de pouvoir aller très loin dans la recherche. Parce que bon, il faut marier un petit peu la spiritualité avec la science, et c'est pas toujours évident. On a des tas de personnes qui observent, qui sont contents de voir des choses qui se passent, et on en a de plus en plus, mais qui ont pas du tout d'orientation spirituelle. Et là, ça devient très intéressant parce qu'ils nous donnent leur savoir, ils partagent ce qu'ils peuvent partager, et puis on les voit plus pendant des années, quoi. Ils peuvent revenir, et ainsi de suite. Il suffit de s'inscrire sur Internet. On a une page, en fin de compte, sur Internet qui vous permet de vous inscrire. Donc, nous, on demande une petite participation qui est de 15 euros par mois, qui n'est pas énorme. Hein. Et sur PayPal, vous pouvez vous inscrire et puis devenir adhérent. Et puis après, partager nos expériences. Et pourquoi pas donner aussi vos ressentis et de nous faire évoluer au travers donc, de vos expériences à vous et des nôtres. Et puis... qu'on puisse partager, quoi. Et est-ce que si on veut venir à Paris, il faut prendre rendez-vous à l'avance? Oui, c'est préférable, parce que malheureusement, on a une petite salle. Donc la petite salle peut normalement accepter jusqu'à à peu près, on va dire, 17-18 personnes, jusqu'à 20 maximum. Donc c'est vrai que c'est préférable quand même de s'inscrire un petit peu à l'avance. Mais il suffit en fin de compte de nous le demander. Et puis bon, ça dépend des expériences que vous souhaitez faire, en fait. On a tous les mardis, qui est l'expérience donc, de TCI. Celle-ci, on accepte 15 à 20 personnes. Après, on a des expériences le jeudi. Donc le jeudi, on a 4 thèmes différents.
Donc il y a le premier thème, c'est plutôt philosophique. Je veux dire qu'on a des esprits qui arrivent, on débat sur ce à quoi on a pu discuter juste avant, en prenant un café, ou ça peut être toute autre chose, si on lit un passage d'un livre sur un thème bien précis. Et à partir de là, donc il y a une interaction qui se fait, et on essaye, tant soit peu, de pouvoir répondre à leurs questions et puis de débattre, parce que quelquefois, malheureusement, c'est très très évolué, et on n'a pas souvent la compréhension suffisante pour pouvoir justement débattre directement. C'est un petit peu dommage, on fait des efforts, mais bon. Et donc ça, c'est la première séance. Après, donc le deuxième thème, c'est recevoir justement une entité, notamment les bouquins qu'on a ici. Donc là, c'est Joël qui se met en état de conscience modifié, et on reçoit cette entité, donc un mardi par mois. Pour l'instant, non, mais c'est ce qu'on envisage de faire, notamment pour la partie philosophique. De pouvoir débattre avec d'autres et puis justement d'avoir le moyen de pouvoir partager un maximum de personnes les expériences qu'on fait en termes philosophiques. Après, donc, le troisième thème, c'est questions-réponses. Les personnes viennent avec leurs questions et notamment, ce n'est pas des questions non plus qui parlent donc de, par exemple, les numéros du loto ou autre chose. Hein. C'est vraiment des questions quand même qui sont assez intéressantes et qui sont propres à leur vécu peut-être et à leur questionnement, quoi. Ouais, on en a eu, hein, malheureusement. Ça, c'est... Et c'est donc un mardi par mois aussi, un jeudi par mois, pardon. Et le quatrième thème, en fait, c'est le développement médiumnique. C'est-à-dire qu'on développe chacun notre médiumnité selon nos ressentis, selon ce qu'on a envie, en fin de compte, justement, de développer. Puis, donc voilà. Voilà les quatre séances qu'on peut proposer. Je voudrais vous demander. On peut parler dans le micro. Vous parlez dans le micro. Là, je parle dedans. plus près dans ces cas-là. La combustion instantanée, ça a quelque chose à voir là-dedans. Vous savez, les corps qui brûlent sans savoir. Alors, la combustion spontanée, alors effectivement, ça c'est quelque chose qui fait peur, déjà. Alors, effectivement, il faut savoir que dans le corps humain, on a des gaz très inflammables. Dans la digestion, si on avait un briquet qui est là où je pense, on pourrait prendre feu très vite. Non mais, sans rigoler, il y a des gaz qui peuvent être très dangereux. Donc, alors, il y a certains scientifiques qui ont émis l'hypothèse que on prenait feu à partir des entrailles, à partir du ventre. Alors, c'est pas tant le feu qui peut être produit, qui peut être expliqué. C'est surtout que le feu ne prend pas autour. C'est ça qui est étrange. C'est une combustion lente. C'est-à-dire que la personne se consume, mais sans brûler le fauteuil même sur lequel est assis, ou la chaise. C'était drôle, c'est drôle, on voit la personne, et que les photos, c'est très rare, hein, où la personne est brûlée. Elle est brûlée, par exemple, à 80%, donc on voit qu'elle est toute asséchée, toute brûlée, mais... Donc la table est un peu roussie, mais elle n'a pas pris feu. Alors la combustion spontanée, je ne pense pas. Alors ça doit faire partie. Vous savez, dans tout ce qui est dit paranormal, il y a un tronc commun, c'est certain. Par contre, je ne pense pas que ça puisse avoir une corrélation avec les expériences que l'on fait. Si maintenant, demain, il y a une personne qui se met à s'auto-combustionner dans la cabine... Regarde, on n'a pas prévu d'extincteur. Non, en tout cas, on n'espère pas. Mais c'est un phénomène qui est un phénomène rare. Vous savez que les pompiers, même les pompiers de Paris, ils en ont encore aujourd'hui. Hein. Moi je connais des pompiers de Paris, ils ont eu des combustions spontanées. La plupart du temps, ils pensent que c'est des gens qui s'endorment en fumant. C'était vrai s'ils s'endormaient dans leur lit, s'ils étaient brûlés dans leur lit. Mais là, c'est des gens qui sont brûlés devant leur télé. Hein. Ils sont comme ça, alors il y a juste la main qui reste sur la télécommande. Le reste du corps, il est brûlé. Comme une momie. Ouais, sauf les jambes aussi. Non, mais c'est... Et ils sont vus que souvent, c'était des personnes seules. Et des personnes qui avaient une vie un peu tristounette. Donc, franchement, c'est très, très, très... C'est franchement, c'est pas quelque chose... Je préférerais mourir... voilà. En dormant.
mais en tout cas, non, je ne vois pas de corrélation directe avec la transcommunication. De fantômes. Ça fera plaisir à nos amis anglais. Ça. Oui, écossais. Oui. Mais par contre, en général, quand on voit un esprit, on veut le photographier. Et donc, on fait appel à un flash ou. Souvent, vous savez, les gens, avant d'avoir un fantôme, on a une impression. Zarbi. Bizarre. On a une impression. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, on prend son appareil photo, on photographie. Et souvent, le flash, ou même le fait même de prendre une photo, suffit à révéler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, encore une fois, mais sur un support. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fantôme au fin fond du désert. Hein. Mais des fameux mirages, où l'effet de la chaleur crée un état brumeux, ou un effet de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, des gens qui peuvent voir des oasis là où il n'y en a pas, ou qui croient voir des paysages dans la brume, c'est... Il y a effectivement un effet d'optique. Il y a un effet d'optique, un effet d'imagination. Mais il y a le phénomène de la brume, de la chaleur, existe. Ça existe. Vous avez jamais vu des fois quand il fait chaud sur l'asphalte, sur les routes, on voit ça trouble. Il peut y avoir quelque chose qui se manifeste là-dedans. C'est un excellent support aussi, la chaleur. Il faudra peut-être qu'on essaye ça. Faire chauffer la cabine à 150 degrés pour... C'est le poisson rouge. Oui. J'avais une question par rapport à la machine. Donc vous disiez que vous avez été aidé pour la construire. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on vous guide encore pour des améliorations ou... En écriture automatique? Oui, pas une fois par mois. Une fois par mois, on reçoit des messages. Alors, on fait le compte. Donc, on se réunit tous, tout le groupe. Et on se dit, bon, allez, on a tel problème, on a rencontré tel problème. Là, on ne comprend pas bien. Là, donc, on leur pose des questions. Vous nous avez parlé... qu'il nous fallait une lentille divergente de 6 mm, est-ce qu'elle est bien placée ou pas? Alors, bien souvent, les esprits, alors, attention, ils ne travaillent pas à notre place. Hein. Bien souvent, ils nous disent, vous savez, à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à ces chevaux fous qui partent au galop à peine on leur a caressé la croupe. Donc, ils nous laissent faire, ils nous laissent partir, puis après, on revient tout essoufflé, et là, ils nous disent, bon, c'est bon, on peut continuer. Donc, on vous a dit ça, mais il ne faut pas aller trop vite. Eux, ils ont tout le tant qu'il faut. Nous, c'est vrai, moi maintenant, parce qu'on vieillit, c'est pas qu'on est vieux, mais au tout début, on était... On partait dans tous les sens. Il fallait qu'on fasse tout, il fallait qu'on essayait de convaincre tout le monde, on emmerdait tout le monde, en fin de compte. Et à un moment donné, on s'est calmé et on essaie d'être d'y aller avec parcimonie. Et donc, on essaie de suivre les directives techniques qui nous proposent. Le problème, c'est que souvent, les directives techniques qu'on reçoit, ben on ne les comprend pas. Donc, qu'on les comprend. Oui. Oui, parce que vous savez, quand vous avez un message qui nous dit « Vous allez utiliser un laser, procurez-vous un laser pour faire de l'holographie », nous, quand on entend ça, à l'époque, on se disait « Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Ils sont barjots. » Où est-ce qu'on va trouver un laser déjà? C'est quoi un laser? Il a fallu qu'on ouvre des livres. Franchement, ils nous ont fait un bien fou. Parce que moi, j'ai redoublé deux fois ma cinquième. J'étais un cancre. Et depuis que je m'intéresse au spiritisme, j'ai ouvert, un maximum de livres que je ne pensais pas être capable d'ouvrir. Donc, effectivement, on apprend des tas de choses. Aujourd'hui, ce serait vous mentir de dire qu'on ne comprend plus. Parce qu'on a quand même... Au bout de 20 ans, quand même, on a appris. Mais dans les débuts, quand ils nous ont parlé de pixels, d'hologrammes, de 3D, on était largués. Aujourd'hui, on comprend mieux. Et les esprits, une fois par mois, continuent à venir nous donner des explications techniques. Et d'ailleurs, on a mis en ligne un forum de questions, enfin, un formulaire de questions, où on attend la question. Parce qu'on s'est aperçu que les esprits... n'avancez jamais sans nous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous mâcher le travail. Ils attendent de notre part un premier pas. Donc, ils répondent à nos questions, mais ils répondent à nos questions. Ils ne sont pas là de nous donner des suggestions. Donc, des fois, on ne sait plus quoi leur poser comme question. Et à un moment donné, on ne va pas poser des questions, on n'en a pas conscience. On s'est dit, peut-être,
que parmi les gens, il y a des gens qui vont donner une question clé qu'on n'a pas pensé et qui va donner une réponse extraordinaire. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à... Si vous avez des questions sur la technicité, alors malheureusement, les gens ne jouent pas le jeu. Bien souvent, les questions qu'on récolte, c'est « J'ai perdu mon battant, est-ce que je peux avoir une nouvelle ? J'ai perdu mon fils. » Ce qui est compréhensible. Pourtant, on a bien marqué en gros, attention, ce formulaire récolte des questions, mais pas personnelles. Mais c'est très difficile pour les gens. Ils pensent que les esprits vont répondre à tout et n'importe quoi. Où est-ce que papy il a rangé son bas de laine ? Alors, juste une chose, c'est pour... Arrête, tu penses à terminer, simplement. Simplement pour dire que tout à l'heure c'est assez bizarre, il y a des synchronicités, il n'y a pas de hasard. Hein. Le monsieur avec la veste verte qui est intervenu est passé ce matin devant l'affiche et n'était pas censé être là aujourd'hui. Et effectivement, il m'a demandé ce que c'était dans la rue, donc je l'ai invité, si vous ne faites rien, vous pouvez venir. Donc il est reparti, il dit je vais voir si j'ai rien à faire. Et finalement, il se trouve là cet après-midi, c'est quand même. C'est bien, il était là pour nous le monsieur. Je dirais que c'est pas en un tout hasard, cas, parce que le hasard, il n'existe pas. Il y a une probabilité, et on pourrait l'étudier. Le hasard n'existe pas en physique. Je pourrais vous le montrer sur le tableau s'il y en avait un. Il n'existe que des calculs de probabilité. Probabilité. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de la brume dans la cabine. La brume, c'est quelque chose, c'est une substance qui est dans un état qui est étudié par... Boltzmann au 19e siècle, et il y a une constante de Boltzmann, vous devez mettre votre brume, que je ne connais pas, exactement dans un certain état. Je ne comprends pas en revanche à quoi sert la parabole précisément. Alors, en fin de compte, la parabole, elle sert aussi pour le son. Vous savez, on émet des sons qui sont, en fin de compte, on envoie des sons qui sont donc repris par la parabole et en fin de compte dirigés vers le centre. Vers le centre, en fin de compte, le foyer de la parabole. Oui. Tous les sons, tous les centres, toutes les lumières et le son sont dirigés vers le centre. Et à cet endroit-là, eh bien, il n'y a pas loin l'expérimentateur qui s'assoit. Donc tout est dirigé en un point donné. C'est pour ça qu'il y a une grande parabole. Mais vous savez, on va faire bientôt, dans l'avenir, la parabole telle qu'elle est là, va être mise à l'horizontale, par-dessus... Ah, ça, faudra qu'on le montre un jour en conférence. Par-dessus, on va mettre une deuxième parabole. Ces paraboles-là vont être recouvertes à l'intérieur d'un effet miroir. Et on va créer un effet visuel en 3D au-dessus. C'est-à-dire que la parabole, au lieu d'être comme ça, elle sera comme ça. Ça sera deux paraboles l'une au-dessus de l'autre, dont une avec un trou. Et en fin de compte, tout ce qui va se passer dans la parabole qui sera remplie de brume... Eh bien, on le verra sous forme d'un espèce d'hologramme à la sortie. Allez sur Internet et tapez « hologramme maker ». Hologramme maker, c'est un jouet. Oui, maker. Ouais, bah, vous avez vu comme je parle bien anglais vous foutez pas de moi. Voilà, exactement. Non, c'est vrai que ce sont les anglais. Non, mais je rigole. Ouais. Donc, ce dispositif-là, nous a été, pas conseillé, mais suggéré pour créer, parce que le problème, pour créer un hologramme, le problème de l'hologramme tel qu'il existe en vrai, c'est qu'un hologramme, c'est une plaque photosensible qui est exposée à un rayon laser qui est divisé. C'est-à-dire que, en fin de compte, au lieu de prendre une photographie, vous savez, quand vous prenez une photographie, c'est la lumière qui réfléchit par le corps qui vient frapper d'autres corps et imprégner la pellicule. On peut faire une photo avec un rayon laser et créer ainsi un hologramme. C'est-à-dire que on sépare le laser en deux, le rayon laser. Il y a un rayon qu'on appelle de référence qui va frapper automatiquement avec, à travers une lentille divergente la pellicule. Et le deuxième qui est le rayon objet qui va venir éclairer l'objet à photographier. Et c'est en fin de compte le rayon objet qui vient se refléter sur l'objet et venir faire des franges d'interférence sur le rayon objet qui crée l'hologramme. Et quand on prend la plaque photosensible, qu'on la révèle et qu'on reprojette le rayon laser dans un angle donc, qui correspond, je crois, à l'angle ou du rayon de référence, je ne me souviens plus, ou du rayon objet, on voit apparaître l'objet en trois dimensions. Mais il faut restituer l'hologramme. Nous, notre problème, c'est qu'on est plus dans l'holographie numérique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un hologramme sans le restituer. C'est-à-dire un hologramme tout de suite, sans attendre la restitution.
C'est ça, là, par contre, c'est compliqué, parce que là, franchement, on est à nos limites de compréhension. On sent que les esprits en ont sous le pied, mais nous, on est au taquet. Hein. Nous, on est vraiment au taquet. Pour terminer, en ce qui me concerne, oui. Je veux simplement ajouter une toute petite précision, mais qui est très importante, c'est que j'essaye de m'exprimer avec des mots simples. L'équation de Schrödinger, peu importe, blablabla, elle indique qu'il y a une onde de probabilité qui organise tout, les atomes, les autres particules, tout. À partir du moment où vous considérez qu'une onde de probabilité, c'est une onde immatérielle, puisque c'est des nombres, une onde de probabilité n'a pas de matière en elle. Eh bien, vous avez un joint entre l'immatériel et le matériel. Moi, je dis immatériel parce que les esprits, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce qu'on a reçu des messages sur la probabilité et la potentialité. Ils nous ont parlé que le monde spirituel était une potentialité, c'est potentiellement possible, comme certaines de recherches mathématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé, mais ça reste potentiellement possible. Et que la spiritualité telle qu'on la conçoit, dégagée des images d'Épinal, on est en face d'une virtualité potentiellement possible, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui prouver par des calculs. Mais c'est comme si qu'on nous dit, quand on nous dit dans les mathématiques que des droites parallèles sont deux droites qui ne se rejoignent jamais. Mais on ne sait pas si elles ne se rejoignent pas à un moment donné. C'est une image de calcul, mais en fin de compte, peut-être que si on va plus loin dans la philosophie, on se dit que comme l'espace est courbe, peut-être qu'un jour elles se rejoignent. Mais l'existence de l'esprit fait partie des probabilités. Dans l'espace d'Einstein, elles se rejoignent. C'est certain. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça que quand je dis à mon fils, papa, c'est quoi les droites parallèles? C'est des fois des droites qui se rejoignent. Mais non, c'est pas ce qu'il m'a dit mon professeur. C'est pas grave. C'est autant de Thalès, 4 siècles avant Jésus-Christ, on pensait que ça allait tout droit, toujours. Ouais. Parce que c'est une intuition. Mais on n'a pas voilà. Moyen de le vérifier. Et c'est faux. Ça ne va pas toujours indéfiniment. Voilà. Merci bien. Merci monsieur pour vos éclaircissements. C'est très intéressant. Merci. Ça va vous, ça va pas toujours oui. Quand vous regardez devant vous, ça revient derrière votre tête. Mais des milliards. Alors, voilà. Comment s'apercevoir si les esprits qui se manifestent à nous sont farceurs ou non, quand bien, parce que nous ne sommes pas en capacité justement de mesurer leurs propos. Dans les faits, quand on met en œuvre ce qu'ils nous disent et que ça marche, on s'aperçoit qu'ils ont raison. En fin de compte, nous, on n'a pas inventé l'eau chaude. Enfin, surtout lui. Non, je rigole. Mais en fin de compte, quand on fabrique cette machine-là, on suit aveuglément, alors, sans pour cela oublier notre esprit critique, parce que ça fait de mal à personne de construire cette machine. Il est évident que si on faisait des expériences sur des êtres humains, on n'irait pas aussi loin, parce que des expériences interdites, c'est pas notre dada. Mais on a, rendez-vous compte, on a des messages en écriture automatique qui nous disent de faire ça, de faire ça, de faire ça. De deux choses l'une, ou c'est des conneries, ou c'est vrai. Comment se rendre compte si c'est des conneries? En mettant en œuvre. Or, en mettant en œuvre, ces choses-là, ça marche. Ah, donc c'est pas que des conneries qui sont écrites. Ces mêmes esprits nous disent, oui, mais vous savez, vous allez aller plus loin, vous allez engendrer la 3D. Alors, ils font des calculs savants, nous disent des choses quelquefois très alambiquées, qu'on comprend pas tout de suite. Mais on ouvre des livres, Internet, Wikipédia, terrible. Donc on essaie de voir... On se rend compte, et là, on se dit, ah, effectivement, le mot là qu'ils ont employé, c'est quelque chose qui existe. Donc, on s'aperçoit, au fil du temps, qu'on a affaire à une source d'information. Alors, nous, on appelle ça esprit. D'autres appelleront ça. Vous savez, on n'est pas là pour donner notre raison comme un dictionnaire. Nous, on a notre intime conviction comme quoi nous avons affaire à des êtres incorporels, intelligents. Maintenant, par exemple, pour Marc Menant, qui est un journaliste d'Europe 1, pour lui, c'est un égrégore qui est créé, une sorte d'inconscient collectif qui nous répond. Pourquoi pas? Donc, pour lui, c'est... Voilà, il ne sait pas. Il ne veut pas... C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. De toute façon, on se rejoindra tous un jour ou pas. Hein, voilà. Voilà. Une construction que l'on ferait. Voilà, une énergie que l'on construirait. L'énergie mentale de toutes les personnes sur Terre. Bien.
Mais en fin de compte, il y a un axiome qui dit que on reconnaît un arbre à ses fruits. Eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit. C'est-à-dire que soit les entités qui se manifestent à nous sont de faux savants ou des esprits apocryphes, pourquoi pas, mais vous savez, on peut feindre un mouvement de table, mais on ne peut pas feindre l'intelligence. On ne peut pas feindre le savoir. Et à un moment donné, soit les esprits se taisent parce qu'ils ne savent pas, ou quand on utilise quelque chose, en général, ça correspond toujours à la réalité. Une réalité qu'on apprend à découvrir. Aujourd'hui, par exemple, on a commencé par recevoir à 23.3, c'est ce que je vous disais. Ils viennent nous dire, cherchez dans l'infrason. Mais personne ne pensait à l'infrason. On pensait que les transcommunicateurs étaient tous dans les ultrasons, dans les choses inaudibles. Et des entités spirituelles nous ont dit, mais n'oubliez pas que le cerveau a une onde très basse, des ondes qui existent, des ondes cérébrales. Et nous, nous servons de ces ondes-là. Donc ils nous disent tout simplement d'essayer d'aller au plus bas, justement, des ondes. Le problème, c'est que techniquement, comment faire pour reproduire une onde de 8 Hz? Le 8 Hz, c'est le vent, presque, ou une petite bise. Comment voulez-vous créer une onde enregistrable de 8 Hz? Quel micro va pouvoir capter une onde de 8 Hz? Un encéphalogramme, peut-être, mais un micro. Nous, notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait bien avoir des micros qui enregistrent à 23 Hz. On n'en trouve pas. Notre subwoofer, là, notre sub, il commence à 27 Hz. On n'a pas trouvé plus bas. Alors qu'il faudrait qu'on aille plus bas que 23. Ouais. Ou alors, il faut le fabriquer. Il faudrait qu'on aille des boomers. Plus les ondes sont basses, plus les boomers sont énormes. Donc, qui remuent comme ça, quoi. Alors, vous vous rendez compte, dans la cabine, ouais, à mon avis, celui qui rentre là-dedans, il va falloir vraiment qu'on expérimente avec personne dedans, parce que j'imagine qu'un jour, ça va être terrible, et on va ressortir de là-dedans plus mal que quand on y est rentré. Hein? Ah non, 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 c'est sûr. Non, parce que quand on la met en route, heureusement qu'on est dans une... On est dans un endroit de bureau. Donc la nuit, quand on expérimente, il n'y a plus personne autour de nous. On est vraiment dans une zone déserte. D'ailleurs, quand on y va, les gens ne sont pas très rassurés. Parce que c'est vraiment... Mais donc, heureusement, parce qu'on sera en appartement, mais c'est tout l'immeuble qui nous entend là. Parce que quand on balance à fond du 27 Hz, on sera dans un paquebot. La cabine, elle vibre. C'est, on est dans un truc terrible, terrible. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, tiens le coup pour l'instant, la cellule. Enfin voilà, pour répondre à votre question, c'est en forgeant qu'on devient forgeur. Oui, techniquement oui. En écriture automatique, moi, il est où? Il est là. Il y a Gérard qui fait de l'écriture intuitive, Bruno, lui, qui fait de la corporation, et il y a Brahim et puis Laurie qui, eux, sont beaucoup plus intuitifs. Ils reçoivent des informations d'une manière intuitivement, c'est-à-dire sur une certaine donnée, ils ont des informations sous forme d'intuition. Mais en écriture spontanée, dans ce cadre d'expérimentation, pour l'instant, on se sert de ma médiumnité. Des questions où on libère le conférencier, ses acolytes? C'est bon? Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention. Ce fut un plaisir de parler avec vous.